Dans nombre des affaires dont je parle, plane souvent l'ombre mystérieuse d'une organisation criminelle pas si secrète que ça et qui suscite bien des fantasmes. Héros de la littérature, personnages de films ou de mangas, glorifiés et idéalisés par certains, onnis et abhorrés par d'autres, le moins que l'on puisse dire et que le sujet ne laisse en tout cas pas indifférent. Alors, pour clarifier un peu les choses, tentons de faire un survol non exhaustif de ce que sont vraiment les Yakuza avant d'aborder le gros morceau de leur influence réelle ou supposée dans le Japon d'aujourd'hui, un peu d'histoire. Les historiens s'accordent à faire remonter l'origine des Yakuza au XVe siècle, mais ce qui fait toujours polémique aurait plutôt trait à la nature même de ces origines. Trois théories s'affrontent toujours et nous verrons pourquoi les gangsters d'aujourd'hui privilégient l'une plus que l'autre. Tout d'abord, il y a l'origine possible, puisée chez les Bakto, ces joueurs de dés et de cartes sans attache et qui traversaient le Japon médiéval avec leur jeu de Hanafuda en poche, arnaquant le villageois ivre lors de parties truquées et usant volontiers de leurs armes pour intimider les ruraux qui n'auraient pas voulu s'acquitter de leurs dettes de jeu. Sans moralité, souvent hors la loi et recherchés par les troupes impériales, ils avaient déjà mis en place une organisation secrète destinée à se protéger, à cacher les plus traqués, mais ils avaient aussi adopté le tatouage comme signe de reconnaissance. Le mot yakuza provient d'ailleurs d'une combinaison perdante du jeu de cartes favori des bakuto. Autre origine supposée, les tekiya, des marchands ambulants qui sillonnaient les routes du japon organisés en guildes et peu enclins à respecter les lois de l'empire beaucoup vendaient des produits de qualité très médiocre souvent volés et ce sont eux qui historiquement ont instauré le racket des commerçants installés la hiérarchie telle qu'on la connaît aujourd'hui dans les clans yakuza vient d'ailleurs de celle des tequia ces guildes de camelots enrôlaient tous les exclus de la société les repris de justice les déserteurs et les vagabonds leur offrant l'opportunité de s'enrichir après un rite initiatique lui aussi toujours présent dans les gangs actuels enfin la troisième origine possible, celle des Matiyokko, du nom de ces groupes de citoyens créés entre le 15 et le 16 siècle pour protéger les populations contre les bandes de Kabokimono, ces bandits assassins issus du démantèlement militaire de l'ère Tokugawa. Les samouraïs et militaires lâchés ainsi dans la nature, toujours armés et carapassonnés, se livraient régulièrement à des razzias sur les villages et commettaient les pires exactions contre les populations, volant, Violons et tuons, parfois pour le plaisir. Des habitants de grandes villes puis de bourgades plus modestes se seraient ainsi ligués en petites milices de protection contre ce danger interne permanent. D'abord constitués de notables et de paysans propriétaires, ces Matiokko ont vite recruté des gens plus modestes, ouvrant même leur rang au Burakumin, caste mise au banc de la société japonaise depuis ses débuts. C'est petit à petit cette caste qui prendra le dessus sur les effectifs jusqu'à en devenir les membres principaux. C'est toujours le cas actuellement puisque les trois quarts du plus gros clan yakuza en activité à ce jour, les Yamaguchi, est constitué de descendants directs des Bodakomines. Vous vous en doutez C'est de cette troisième origine supposée que se revendiquent les yakuza contemporains, y voyant une parenté avec le code de chevalerie dont auraient hérité les descendants des Matiyoko littéralement au service de la cité, mais que traduisent en défenseurs des faibles. En fait, la réalité est sans doute beaucoup plus composite. En effet, Bakto, Tequia et Matiokko vont perdurer et évoluer dans le temps et en parallèle. Les joueurs vont se constituer en groupes clandestins organisant les cercles de jeu puis les casinos illicites, trouvant un nouvel essor dans la levée de l'interdiction du jeu d'argent à l'ère les Tekiyas, eux, anciens jarret Kamlo, s'organisèrent en guilde depuis constituèrent, dès le 19e siècle, une véritable force commerciale organisée et autorisée par l'administration impériale. Il n'est donc pas exagéré de dire que le commerce de cette ère de réforme était en majeure partie détenu par la mafia. Les Matiokko, quant à eux, évoluèrent aussi. La menace intérieure passée et les temps plus cléments revenus, ils se tournèrent vers la politique et l'influence. Dressant leur pedigree chevaleresque fantasmé comme un brevet de pureté, les grandes familles descendant des Matioko formèrent ou rejoignirent les courants les plus nationalistes et traditionalistes, rejetant fermement la politique du jeune empereur Meiji, désireux d'ouvrir le Japon sur le monde. Alors, lorsque le port du kimono, des cheveux longs, du sabre ou des tatouages furent bannis par l'empereur au profit du costume occidental, ils s'érigèrent en rempart contre cette modernité infamante et cette insulte faite aux ancêtres et rentrèrent en résistance. Plusieurs groupes issus de ces partis commirent des attentats meurtriers contre des députés réformistes, mais aussi contre des dignitaires étrangers venus échanger avec le gouvernement et les entreprises. C'est ainsi que ce que l'on peut maintenant appeler les yakuza politiques assassinèrent plusieurs ministres et ambassadeurs, deux premiers ministres, et se rendirent même coupables du meurtre de la reine de Corée en 1895, dernier rempart à l'invasion colonialiste japonaise. L'histoire nous démontrera que les gangsters commirent tout cela en étroite collaboration avec les autorités militaires, elles aussi ultranationalistes et impérialistes. La fin de l'ère Meiji, l'ère Taisho et le début de l'ère Showa furent des périodes d'abondance et de puissance pour les gangs et les parrains. Les Kolomaku jouissant d'une grande liberté et d'une certaine impunité, organisant les trafics entre le Japon et ses colonies chinoises et coréennes, fournissant à l'armée d'occupation alcool, jeux et prostituées. C'est à cette époque que le distinguo entre les trois origines ne convient plus d'être fait. Cercles de jeux, compagnies commerciales et politiques ne formaient alors plus qu'une seule entité nommée Yakuza. Tous ces groupes de mieux en mieux organisés et structurés vécurent assez bien la période de la Seconde Guerre mondiale, assurant le marché noir et le superflu à ceux qui pouvaient se le permettre. C'est ainsi que des parrains notoires comme Kodama Yoshio ou Sasakawa Ryoichi purent fréquenter le tout Tokyo des années 30, comptant dans leur carnet de balles ministres, aristocrates et artistes. Comme je vous en avais parlé dans l'affaire du meurtre de Kataoka Nizaema, Kodama était un mondain et connaissait le gratin artistique, notamment Kataoka, milieu dans lequel il diffusait son alcool de contrebande, son tabac étranger, son opium, mais aussi ses idées ultranationalistes et anticommunistes. Sasakawa, encore plus acharné, sera même un leader politique d'extrême droite influent dans l'axe, allant même jusqu'à rencontrer Mussolini en 1939. Il est l'un des parrains influents qui donna au gang Yakuza une organisation presque militaire, calquée sur celle des chemises noires. La période de l'immédiate après-guerre et de l'épuration vit l'arrestation de ses parrains et de leurs lieutenants par l'armée d'occupation américaine. Ils ne furent pas tant arrêtés pour leur activité criminelle que pour leur implication politique et logistique dans les colonies japonaises et leur accointance ultranationaliste avec l'état-major japonais. Alors, devant la débâcle et la famine qui frappaient le Japon de 1945, le gouvernement provisoire nommé par le général MacArthur avec à sa tête le premier ministre Shidehara Kijuro fut chargé de reconstruire le pays, de lui donner une nouvelle constitution mais surtout de le nourrir. Conscient de l'impossibilité des structures officielles, détruites par des années de guerre et de bombardements, à assurer cette tâche, il fut alors demandé, plus ou moins officiellement, à ceux qui savaient le mieux s'organiser dans l'urgence, et l'avaient déjà fait avec succès toutes ces années. C'est ainsi que les parrains furent libérés de prison, retrouvèrent leurs troupes, et rencontrèrent même des dignitaires du gouvernement, comme l'atteste la célèbre photo de la rencontre entre le ministre Hatoyama Ichiro et Kodama. Rapidement reconstitués, les familles et les clans yakuza assurèrent la survie du Japon de l'après-guerre et mirent en place des circuits de production et de distribution indépendants qui purent nourrir le pays jusqu'au retour de l'équilibre et du miracle économique des années 50. Mais tout cela eut un prix car aucun parrain, malgré les fortunes gagnées de façon presque légale, ne voulut se cantonner à ce rôle d'épicier et très vite, les activités illégales reprirent le dessus. Les maisons closes fleurirent au milieu des ruines des grandes villes, souvent sur des terrains que les Yakuza s'attribuaient sans aucun titre de propriété, s'allouant de grandes parcelles de terrains en ruines à Tokyo, Osaka ou Kobe. Le trafic de stupéfiants reprit de plus belle, souvent aidé par les soldats américains qui passaient des quantités de drogue dans leur pactage, exempt de fouilles lors de l'arrivée sur le territoire. Les grandes familles purent alors reprendre leurs activités et certaines se formaient dans ce climat plutôt favorable. Il est aujourd'hui établi que les autorités américaines et le gouvernement japonais firent d'énormes compromis avec les Yakuza durant ces années d'après-guerre et de partage du monde, voyant en ces clans et en leurs convictions ultranationalistes un rempart contre la tentation communiste qui gagnait alors l'Asie. Les années 50 furent une décennie bénie pour les Yakuza. Kodama, le parrain des parrains, réussit à structurer l'ensemble des gangs et à former une unité encore jamais atteinte, certes avec la complicité active des Américains et des dirigeants nationaux, mais aussi par un certain talent pour le compromis et l'initiative. C'est lui qui réussit en 1949 à mater puis à assimiler les Kolentai, ces petits groupes de voyous des rues violents et sans organisation qui cherchaient à créer une puissance du crime parallèle. Kodama les fit rentrer dans le rang, leur donnant une place et des responsabilités dans l'organisation criminelle, à condition qu'ils adhèrent au code d'honneur des Yakuza. A noter que le clan le plus important aujourd'hui, constitué comme nous l'avons vu de descendants des Barakumin, les Yamaguchi donc, est également l'évolution structurée de ces Gorentai. À la fin des années 50, la grosse centaine de clans et de familles mafieuses représentait plus de 180 000 membres à travers le pays. Contrôlant les marchés du jeu, de la prostitution, de la pornographie, de la drogue, du trafic d'armes, mais aussi à travers ses vitrines légales, ceux de l'agroalimentaire, du transport routier et du bâtiment. Une nouvelle fois, en 1958, le parrain se vit confier à une mission par les autorités américaines d'occupation. En fait, nous le savons maintenant par la CIA, celle de stopper les groupes maoïstes sur le territoire japonais, de casser les grèves organisées par les syndicats de gauche et de faire du renseignement au sein des groupes d'extrême-gauche qui voyaient le jour dans tout le Japon. Ils avaient bien sûr toute autorité à user de la violence pour éliminer ces groupes et ils ne s'en privèrent pas, laissant des centaines de cadavres derrière eux. Les années 60 furent elles aussi une décennie riche en accomplissements pour les gangs croissantes depuis la fin des années 40, des petites bandes de Coréens et de Taïwanais, anciennes colonies japonaises, voyaient le jour et prospéraient, prenant de l'importance et tenant tête aux parrains japonais, racistes par nature. Alors, en 1960, devant la trop grande menace de schisme que représentaient ces gangs, Kodama les autorisa à entrer dans la grande famille et prit Mati Né Jiangang Yang, le fondateur du clan Tosei Kai sous son aile, l'aidant même à trouver une trêve avec les Yamaguchi, toujours en quête d'indépendance. Les territoires furent distribués entre les clans, les laissant gérer leurs affaires à leur guise, avec pour seule obligation de ne pas empiéter sur le territoire voisin et de respecter le code d'honneur des Yakuza, remis au goût du jour par Kodama. Mais tiens, penchons-nous un instant sur ce fameux code. Librement inspiré du code de chevalerie Ninkyodo, il tient en neuf points. Premièrement, tu ne t'en prendras jamais aux citoyens innocents. Article régulièrement bafoué, ne serait-ce que par le racket des commerçants. Deuxièmement, tu ne voleras pas la femme de ton ami. Maintes fois démenti par les faits et les règlements de compte dus au vol de la femme de l'autre, digne de la guerre de Troie. Troisièmement, tu ne voleras pas le clan. Inutile de préciser qu'il est l'article le moins respecté. Quatrièmement, tu ne te drogueras pas. Au vu de la consommation de méthamphétamine par les Yakuza, il est à parier que cet article ne soit pas trop respecté non plus. Cinquièmement, tu dois l'obéissance et le respect à ton chef. Et c'est sans doute la partie la plus suivie de ce code, tant les punitions en cas de rébellion sont atroces. Nous en reparlerons plus tard. Sixièmement, tu devras être prêt à mourir ou à aller en prison pour ton parrain. Autre article plutôt respecté. Septièmement, tu ne parleras du clan à personne. Encore un article plutôt appliqué à la lettre personne n'oublie le sort réservé aux bavards. Huitièmement, tu ne parleras ni devant la police ni en prison, qui, il va sans dire, est scrupuleusement observé sous peine de gros ennuis. Et enfin, neuvièmement, il est interdit de tuer un civil. Article régulièrement violé lors des fusillades et des exécutions usurières des débiteurs malheureux. Kodama et ses clans unifiés pourra tout à sa guise développer ses activités criminelles au cours des années 70 sous l'œil bienveillant de la police. Hérité des origines, la relation yakuza-police avait toujours été assez proche et courtoise. Un accord tacite entre les deux parties établissait que tout mafieux qui se rendait coupable d'un meurtre devait se rendre à la police, pouvant y négocier sa peine et sa prison, et en échange, les gangs assuraient la sécurité des citoyens lambda dans les quartiers qu'ils tenaient. En coulisses, le parrain et ses lieutenants étaient de plein pied dans la politique et commençaient à faire et défaire les élections et les hommes. Pots de vin et corruption assuraient la pérennité de leurs candidats qui, une fois élus, leur assuraient la tranquillité de nouveaux espaces et de nouveaux marchés. Mais au milieu des années 70, un grain de sable vint gripper cette machine bien huilée alors qu'éclatait l'affaire Lockheed, établissant des liens très étroits entre Kodama et le FBI et ce depuis des années. Toute la population fut sous le choc et tout le monde y perdit quelque chose. Le gouvernement américain qui attira la haine des japonais pour cette ingérence, pourtant courante à la CIA. Le gouvernement japonais qui, une fois le scandale et les documents révélés, dut faire la chasse aux corrompus dans ses rangs. L'opinion publique qui, étrangement, avait de la sympathie pour Kodama et ses hommes et se sentait trahie par ce suppôt de l'occupant. Et enfin, Kodama lui-même qui dut comparaître devant une cour pour la première fois depuis la fin de la guerre et pour répondre d'actes de trahison. Bien qu'ils firent les offusquer, bon nombre de grands chefs mafieux étaient au courant de ces arrangements, et la plupart en croquaient allègrement depuis 30 ans. Mais certains le vécurent plus mal que d'autres. Ainsi, Maeno Mitsuyasu, acteur raté qui ne tournait que dans des pornos bon marché produits par le syndicat du crime, adepte des théories de Mishima et ultranationaliste, vit cette traîtrise d'un très mauvais œil. Anti-américain et anti-tout euh, ce qui n'est pas japonais d'ailleurs, Maeno voyait en Kodama l'incarnation de ses valeurs alors lorsque le scandale éclata, il décida de supprimer le parrain. Pilote amateur dans un aéroclub de Setagaya, il loua un petit avion de tourisme pour la journée le matin du 23 mars 1976 et, bandeau de kamikaze sur le front, écrasa son appareil sur la maison de Kodama. Maeno mourut, mais Kodama s'en sortit indemne, comme toujours. Fatigué par une vie d'excès, de stress et de bagarres, il fera une attaque cérébrale en 1979, obtenant ainsi un report de son procès. Par le jeu des alliances, il le fera repousser encore et encore et mourut paisiblement dans sa luxueuse villa de Tokyo le 17 janvier 1984, à l'âge de 72 ans. Sa mort mit un terme à la relative harmonie qui régnait entre les clans et bientôt, la lutte pour le pouvoir recommença et les gangs se livrèrent une guerre des territoires acharnée, semant les cadavres derrière eux. Malgré cette nouvelle ère de chaos dans les rues des villes japonaises, la population gardait une opinion relativement positive des yakuza, certainement alimentée par les films et les mangas qui véhiculaient une image de gangster au grand cœur, presque romantique. Mais les années 80 mourantes virent un changement de paradigme assez radical. En effet, année après année, les scandales de corruption orchestrés par les Yakuza au sein des partis politiques et du gouvernement éclaboussaient le pays et exaspéraient les gens. Les magouilles immobilières mettaient les populations en danger en employant des entreprises mafieuses qui utilisaient des matériaux bon marché pour construire les immeubles, provoquant des éboulements meurtriers à répétition. Les fusillades en série dans les rues des grandes villes qui touchaient de plus en plus de civils et parfois même des enfants, victimes de balles perdues. L'introduction d'armes et de drogues sur le territoire, organisée par les gangs de yakuza installés à l'étranger et qui développaient leurs activités aux États-Unis, en Corée, à Taïwan, au Mexique, en Australie, au Vietnam et ailleurs, donnant le sentiment aux Japonais qu'ils n'étaient en réalité qu'une organisation criminelle comme les autres. Ce sont ces faits et des projecteurs étrangers braqués sur la pègre nippone qui assombrissaient le tableau brillant d'un pays qui réussit tout, qui amena le gouvernement à voter une loi anti-gang en 1992. Dès le 1er mars, les effectifs de police firent des descentes dans toutes les organisations du crime et mirent en place un vaste recensement obligatoire, sous peine de prison. Tous les clans et leurs organigrammes furent listés et enregistrés sur un fichier central. Les accords tacites entre gangs et autorités furent immédiatement vaporisés et nombre d'arrestations dans les milieux politiques et industriels accompagnèrent celles des Yakuza. Les mois qui suivirent furent une véritable hémorragie dans la pègre. Les chateis, les apprentis, prenaient leurs jambes à leur cou en voyant les vagues d'arrestations et surtout la fin de la protection policière qui leur donnait une espèce de toute puissance dans la rue. En quelques mois, les troupes avaient diminué de moitié sur le territoire et la collaboration avec Interpol permit aussi de démonter des clans implantés à l'étranger. Une ordonnance de 1993 renforça cette loi et rendit les parrains responsables de tout acte commis par un de ses subordonnés, le rendant légalement accessible à des poursuites judiciaires pour la moindre incivilité d'un affranchi sur un civil. Cette ordonnance introduisit également la notion de circonstances aggravantes pour les délits commis au sein d'une organisation criminelle. Alors, petit à petit, les grandes vitrines légales des familles mafieuses fermèrent, le petit trafic de rue diminua, les gangs les plus sauvages disparurent et seules les quatre familles les plus importantes et les plus solides purent survivre. Ces grandes familles, toujours sur le devant de la scène, ce sont d'abord les Yamagotigomi qui représente presque la moitié des effectifs de la pègre japonaise, avec plus de 750 clans répartis sur tout le territoire et à l'étranger, et qui mène depuis la mort de Kodama une politique de croissance exponentielle, espérant réunifier les clans nationaux sous leur bannière. Viennent ensuite les Sumiyoshi Ringo. Qui, comme ça a toujours été le cas depuis leur création en 1959, forment une fédération du crime plus qu'une famille unie et réunit une constellation de petits clans, 180 au total, ayant fait allégeance aux parents. Leur fonctionnement est assez proche des motorclubs américains 1%. Puis, les Inagawa Kai, considérée comme la famille la plus légitime car fondée en 1949 par Inagawa Kakuji et constituée par les héritiers en ligne directe des Bakto. Basés à Yokohama et spécialisés dans les jeux clandestins comme leurs ancêtres, ils sont les premiers à exporter leur business dès le début des années 50. Enfin, la dernière famille est celle des Toa di composée presque uniquement de coréens et basée à Tokyo, qu'ils contrôlent en partie avec environ 1000 membres et en menant une guerre d'usure aux autres familles. Nous reviendrons sur toutes ces familles plus en détail. Ah, alors oui, les années 90 et 2000 furent deux décennies terribles pour les Yakuza, Traqués par la police, le fisc et honnis par les médias qui les présentaient maintenant comme des criminels sans foi ni loi, ils durent changer de stratégie et retourner dans la clandestinité des débuts. Pour échapper aux brigades anti-gangs, simuler une dissolution des grandes familles et échapper au contrôle gouvernemental sur les entreprises, les grands groupes industriels et financiers tenus officiellement par des Yakuza furent vendus ou dissous. Et les trois grandes familles créèrent une petite association humanitaire à but non lucratif pour les Yamaguchi, une SARL multiservice pour les Inagawa et une petite entreprise de transport et de BTP pour les Sumiyoshi. Dès lors, ils durent montrer à travers ces vitrines nettoyées qu'ils se rangeaient des affaires, mais la réalité fut tout autre. Chassés des hôtels de luxe et des salons du pouvoir, les yakuza restructurèrent leurs départements et se lancèrent dans la prostitution de bas étage, celle des bars de nuit, des salons de massage et des love hotels. Dessous, recrutant de force une main d'œuvre étrangère, principalement venue de Chine, de Thaïlande et de Russie, et racolant les clients dans les rues des quartiers chauds, dont le célèbre Kabukicho de Tokyo. Exclu des grands groupes immobiliers. Ils redevinrent des petites mains brutales et se firent agents d'expulsion pour des propriétaires non payés, mais aussi banques de prêts pour des particuliers exclus des systèmes bancaires. Bannis des casinos chics et des cercles de poker huppés, ils rouvrirent des tripots clandestins dans les caves des villes et des campagnes et remirent un pied, puis bien plus, dans l'industrie juteuse du patinko, le péché mignon de beaucoup de japonais. Persona non grata des grands groupes industriels, les clans firent chanter leurs anciens amis, puis, en système pyramidal descendant, reprirent leur raquette des entreprises et l'intimidation musclée. Enfin, ils investirent le milieu du sport, et plus particulièrement ceux du SMO, du catch et des courses de bateau, en réorganisant les paris clandestins et bien entendu en truquant les matchs. C'est également à cette période de grande traque aux Yakuza qu'ils reprirent le chemin du trafic de drogue sur la pointe des pieds, car le temps où les autorités leur laissaient passer des tonnes de méthamphétamine sous l'œil bienveillant de la CIA était bel et bien terminé. Le coup de grâce fut porté à l'âge d'or des Yakuza le 1er octobre 2010 lorsque le gouvernement vota une nouvelle ordonnance anti-gang. Cet ultime assaut légal renforçait les lois prises en 1993, mais introduisait également la criminalisation de toute personne ayant commerce avec une organisation criminelle, même de façon occasionnelle. Ainsi, certaines banques abritant notoirement les avoirs de certains parrains durent rendre des comptes et furent sévèrement punies, et une nouvelle brigade spécialisée reçut tout pouvoir de confisquer les avoirs des Yakuza. Il en devint de même pour les entreprises ou organisations suspectées de faire commerce sous main avec la pègre, la simple ouverture d'une enquête entraînant alors un gel des comptes et une saisie des biens mobiliers et immobiliers. En quelques années de ce traitement, les quatre grandes familles perdirent énormément de leur influence et de leurs effectifs. Au fil des années, des schismes se créèrent et de grands clans, autrefois puissants, volèrent en éclats, se repliant sur un petit territoire sans véritable pouvoir. La nature ayant horreur du vide, ce furent de nouveaux types de petits voyous qui reprirent la rue, peu ou pas liés au syndicat du crime et très loin des velours rouges des salons des parrains. Ces nouvelles bandes, comme les Cantorengo, ultra-violentes et sans code, s'opposèrent au Yakuza dès 2013 et empiétèrent sur leur territoire et leurs activités, donnant lieu à des règlements de compte sanglants. Alors, ce que la police japonaise du quotidien redoutait arriva. Ces jeunes pousses du crime, ignorant tout des codes d'honneur, n'hésitèrent plus à s'en prendre aux populations, et une criminalité dite classique fit son apparition dans des rues jusque-là plutôt tenues par les clans. En cette fin d'année 2020, les guerres de clans ont repris de plus belle et la poudre parle dans les grandes villes. Les lieutenants des Yamagoti font sécession et paient de leur vie leur trahison. Les affiliés des Sumiyoshi quittent la fédération pour voler de leurs propres ailes et rejoignent les rangs de cette nouvelle délinquance. Les autres familles historiques, elles, tentent désespérément de retrouver de leur grandeur passée en tentant de fédérer les branches les plus traditionalistes, mais la police veille et les arrestations se succèdent. La grande épidémie mondiale de Covid ayant mis un sérieux coup de frein aux dernières activités légales des Yakuza. Jeux, bara et porno, entre autres, il est à craindre qu'une guerre encore plus meurtrière n'éclate pour se partager les restes de cet empire du crime disparu. Alors, est-ce que nous assistons à la fin des Yakuza et de leurs grandes familles ou tout simplement à une nouvelle ère Qu'ils soient 40 comme les Shinwakai ou 9000 comme les Yamaguchi-Gumi, les clans sont quasiment tous organisés sur le même schéma, très proche de celui d'une entreprise, délaissant la structure quasi militaire du passé. Cette évolution structurelle est intimement liée à cet âge d'or des années 70 et 80, durant lesquelles les vitrines légales des organisations criminelles prenaient la forme de compagnies industrielles et commerciales ayant pignon sur rue. Le retour à la clandestinité a certes quelque peu modifié ce schéma, mais l'essentiel reste inchangé. Dans toutes ces structures, petites ou grandes, on retrouve tout d'abord le chef, le parrain, celui que l'on nomme le Oyabun. C'est l'autorité tutélaire, morale et paternelle du clan. Il a droit de vie ou de mort sur tous les subordonnés, y compris ses lieutenants les plus proches, mais il est le protecteur suprême. Celui qui veille sur son clan comme une hyène sur sa meute. Le titre d'Oyabun se gagne rarement. Il s'hérite de son père ou de son aïeul, telle la loi salique de nos anciens monarques, ce titre héréditaire n'échoit qu'au fils. Même s'il est arrivé par le passé, en 1998 pour être précis, qu'une femme hérite de la direction d'un clan, en l'occurrence Fumiko, la femme de Taoka Kazuo, chef du clan Yamaguchi, est abattue par un porte-flingue des Sumiyoshi. Il est impossible qu'un clan soit dirigé par une femme. Elles ont leur rôle au sein de l'organisation mais ne peuvent accéder à aucune fonction dirigeante. L'Oyabun cumule toutes les fonctions de justice au sein de l'organisation. Il est celui qui accepte le nouveau membre, celui qui nomme les postes clés, mais aussi celui qui juge, qui condamne et qui punit celui qui faute. Il est rare qu'un parrain exécute lui-même une sentence de mort, mais certains, notamment dans les clans d'origine coréenne, se réservent ce droit exclusif. En 2020, le statut social et médiatique de ces chefs de famille a considérablement changé si l'on compare avec des Oyabun flamboyants comme Kodama ou Sasakawa, proches des élites politiques, artistiques et administratives même s'ils mènent pour la plupart grands trains et dépensent des fortunes dans le paraître, ils se font de plus en plus discrets et dépensent énormément d'argent pour dissimuler leur fortune, paradoxe explicable par la traque dont ils font l'objet de la part des autorités, mais aussi par le nombre grandissant de dénonciations anonymes. Depuis une vingtaine d'années, le oyabun ne met plus les mains dans le cambouis et se trouve rarement, voire jamais, sur le lieu d'un conflit, d'un règlement de compte ou plus simplement dans un club ou cercle clandestin. Il gère sa famille et ses affaires depuis son bureau et il reçoit quotidiennement celui qui est le véritable exécuteur des hautes et basses œuvres, le wakagashira. Ce personnage clé dans l'organisation est le bras droit du parrain, le général de son armée et son homme de confiance. Il est généralement expérimenté, avoué sa vie au clan et parfois de la famille de sang du chef, n'a jamais commis de faute au sein de l'organisation, a maintes fois versé le sang pour elle et a prouvé son courage et sa fidélité. Il a le pouvoir de questionner un membre qu'il soupçonne de vol ou de trahison, de le torturer, voire de le mutiler, mais en aucun cas il n'a le pouvoir de le condamner à mort. Ce sont les Wakagashira qui coordonnent les actions avec les membres du clan après que le Oyabun ait décidé de la direction à prendre. Mais avec de telles responsabilités, il leur faut également un aide-de-camp. C'est là qu'interviennent les Shateegashira, sortes de lieutenants sous les ordres directs du Wakagashira. Et qui ont un rôle d'estafette et d'exécutant auprès des troupes, constituant un axe essentiel entre la tête pensante et le bras armé. Le plus souvent, les Chateigashira sortent du rang. Ce sont des Kyodai, des frères, qui ont su tirer leur épingle du jeu, se sont montrés braves et fidèles et surtout ont montré un peu plus de cervelle que le commun des arpètes. Ce sont souvent eux qui sont chargés des exécutions capitales au sein de l'organisation mais aussi ceux qui suppriment les dignitaires d'autres clans. Leur rôle est essentiel dans toute famille yakuza et la confiance doit être absolue. Alors logiquement, ce sont eux qui font l'objet de la plus grande attention et subissent les peines les plus lourdes en cas de faute. En bas de l'échelle, tous ceux qui constituent le gros des troupes, on trouve encore de la hiérarchie. Les travailleurs, les ouvriers qualifiés du crime, ceux qui tiennent les tripots, les clubs, gèrent les points de vente de drogue et d'armes, vont encaisser le fruit des raquettes et des extorsions. Ceux-ci sont appelés Kyodai. Ce sont les frères, ceux qui tiennent la rue et assurent le tout-venant. Ce sont eux aussi qui tombent le plus souvent lors des règlements de compte. C'est par eux que tout remonte au chef, eux qui prennent la température des marchés et des tensions mais également eux qui recrutent et le cas échéant se chargent pour sauver leur supérieur de la prison. Le Kyodai est un Yakuza. Il a été intronisé et a subi les épreuves de sélection, de confiance, puis la cérémonie du Sakazuki. Nous reviendrons sur cette cérémonie sacrée ainsi que sur le tribunal interne un peu plus tard. Au bas de l'échelle, on trouve les Shatei et les Junkosein. Les premiers sont des aspirants Yakuza, ils ont déjà un pied dans l'organisation et se voient confier des tâches de moindre importance par les Kyodai. Les autres sont des satellites, des petites mains du crime, souvent des gamins qui rêvent de mafia et sous-traitent pour les clans, font de la surveillance ou du renseignement. Beaucoup de ces apprentis du crime rêvent d'intégrer la famille mais peu y arrivent. De nos jours, ces châtés, ces jeunes aspirants yakuza, proviennent de tous les milieux sociaux, de tous les coins du pays, et même de toutes origines. Le temps où les clans recrutaient dans les orphelinats, si tant est qu'il ait jamais existé, est révolu. Bien sûr, l'appât du gain joue un rôle prépondérant dans cette aspiration criminelle juvénile, mais l'attrait pour le danger et l'interdit est souvent un facteur important dans ce choix de vie. Comme tous ceux qui ont travaillé dans le monde du divertissement, il m'est arrivé de rencontrer certains de ces jeunes Yakuza lors de soirées à Tokyo ou à Fukuoka. En discutant avec quelques-uns, je me suis rendu compte qu'ils venaient souvent de milieux plutôt aisés. L'un d'entre eux avait même des parents professeurs d'université, mais ils montraient tous ce même vide intérieur, cette envie de vivre quelque chose d'autre, une part d'interdit et de danger que ne leur offrait pas la société japonaise. Bien entendu, ce n'est pas la majorité, mais cela existe et détruit donc le cliché de l'enfant perdu sauvé par le gentil parrain yakuza. En parallèle à cet organigramme de terrain, le clan compte dans ses rangs tout un personnel administratif et juridique chargé de sa comptabilité, ce sont les qui komon. Ils gèrent un ou plusieurs avocats en charge de la défense éventuelle du clan, mais aussi de la vérification légale des actions d'entreprise. Ce sont les Singin. Ils sont également là pour organiser le travail des Kaikei, les comptables du clan qui recueillent, inventorient et blanchissent les fonds crapuleux. Alors comment entrer dans un clan Quels en sont les rites et les offres de carrière Lorsqu'un Junko Sein, un petit voyou qui rend des services à la pègre, entreprend de rentrer dans la grande famille, il va d'abord lui falloir gagner la confiance d'un Chatei, un petit frère apprenti yakuza qui lui confiera quelques travaux pour attirer l'attention du clan. Après une enquête discrète sur le prétendant, connaître sa famille, son milieu, ses possibles antécédents judiciaires, mais aussi ses capacités intellectuelles et physiques, et surtout valider le fait qu'il ne soit pas un agent infiltré, il va rencontrer un Kyodai. Celui-ci évaluera son potentiel et lui confiera des tâches subalternes pendant quelques semaines avant de l'intégrer dans une équipe de Chatei. Il deviendra alors officiellement un apprenti yakuza et devra prouver son courage et sa loyauté au clan pendant une année entière, mais aussi suivre les rites et cérémonies traditionnelles qui jalonnent l'année d'un yakuza. S'il est approuvé par son keodai de référence, il pourra alors rencontrer un chateigashira avec qui il aura une longue conversation et qui écoutera ou lira le rapport de son subordonné. Il peut arriver que le lieutenant demande à l'aspirant d'effectuer une action d'éclat pour valider sa demande, comme un passage à tabac, un plasticage, voire un meurtre, mais cela reste exceptionnel et tend à disparaître. La demande, si elle est validée, sera alors transmise à la hiérarchie jusqu'à arriver sur le bureau de l'Oyabun. Alors, comme chaque année, le contingent de jeunes yakuza se retrouvera lors de la cérémonie du Sakazuki. À l'origine, cette cérémonie religieuse shinto, très codifiée, tire son nom du sakazuki, cette petite coupe presque plate dans laquelle on sert le nihonshu, cet alcool de riz brassé qui accompagne tout rite. Ces coupes étaient échangées lors de la cérémonie de mariage et les époux, après avoir bu dedans et s'être prêté serment, les conservaient précieusement comme garantie de leur serment d'éternité. La date de la cérémonie est déterminée par le prêtre Shinto qui conduira le rituel. Elle est calculée d'après le calendrier lunaire et ne doit pas correspondre à un jour ou à une date négative symboliquement. En général, les clans possèdent leur propre salle consacrée et il est extrêmement rare que le sakazuki ait lieu dans un temple. Cette salle, ornée de symboles religieux et des commandes du clan, Pavoisé et purifié par le religieux et préparé et un hôtel y est dressé spécialement. Tous les participants, uniquement des hommes, doivent y porter un kimono noir souvent orné de leur symbole clanique. C'est le Oyabun qui y préside à la cérémonie et qui trône au centre de la salle. Tous les membres du clan doivent être présents et sont assis en fonction de leur rang de chaque côté du parrain. Dans la salle, les kyodai sont agenouillés derrière et les futurs aspirants face au Oyabun. Ce dernier procède alors au mélange très particulier et traditionnel du nihonju, du sel et d'arêtes de tai, une espèce de dorade. Puis, le liquide est versé dans les sakazuki, coupe pleine pour le Oyabun et à moitié pour l'aspirant. Le jeune prétendant s'agenouille alors devant le chef, ils boivent dans leur coupe, puis se les échangent et boivent à nouveau. Ce rituel durera aussi longtemps qu'il y aura du chatei à postuler. Pour les très gros clans, comme les Yamaguchi, cette cérémonie peut durer des heures. Dès lors, cette coupe en bois laquée s'appellera Oyako Sakazuki et deviendra hautement symbolique, importante et essentielle pour le nouveau Yakuza. Elle représente alors le lien indéfectible avec le clan, la famille et son chef. S'il se tient bien et honore ses engagements, il pourra la garder toute sa vie et la faire installer sur son autel, auprès de ses cendres, après sa mort. S'il trahit, il devra la rendre au chef qui la cassera pour symboliser la fêlure du lien de sang. En règle générale, la cérémonie se termine par la lecture des grands principes de loyauté et des devoirs du yakuza par le Oyabun. Puis, après avoir félicité les heureux élus en chœur, une fête somptueuse est offerte aux jeunes recrues. Mets raffinés, poissons et viandes hors de prix, alcool rare et onéreux et prostituées japonaises. Dans la plupart des clans, le nouveau venu devra passer par un rituel immuable et qui, dans la culture populaire, symbolise même cette appartenance au Yakuza, le tatouage. Appelé Irezumi ou Horimono, cet art millénaire est extrêmement codé et encadré et le devient encore plus lorsqu'on parle de tatouage de clans. Chaque famille possède ses propres motifs, à commencer par son Kaman, son blason, que le nouveau venu portera le plus souvent au niveau du torse. Les motifs empruntés aux mythologies shinto ou bouddhistes sont disposés de façon à ne pas apparaître au grand jour lorsque le tatoué porte un costume civil. Alors ils s'arrêtent souvent au niveau des coudes et marquent une échancrure à l'encolure. Ce marquage corporel existe depuis le début historique des clans. Les Bactos le pratiquaient dès le XVe siècle en se tatouant, en plus de leur divinité protectrice, un cercle noir autour des bras pour chaque crime. Les clans qui possèdent leur propre tatoueur pratiquent ce que l'on appelle le Tebori, c'est-à-dire une forme de tatouage traditionnel sans machine, à la main. Pour l'avoir expérimenté sur tout mon dos, c'est un processus très long et beaucoup plus douloureux qu'avec un dermographe électrique. Et cette pratique a pour but symbolique de prouver le courage du nouveau venu. Depuis quelques années et dans un souci de discrétion, certains petits clans ont abandonné la tradition et ne se tatouent plus. Mais ils restent minoritaires puisque plus des trois quarts des yakuza le sont. Une fois entré dans la famille, la recrue pourra alors se lancer dans son activité de prédilection avec le soutien de tout son clan. Imaginons que notre jeune Yakuza veuille se lancer dans le racket de commerçants locaux. Ses frères l'aideront à trouver un local pour y monter un magasin écran. Il pourra recruter quelques gros bras pour inciter ses futurs clients à payer sans ombrage le tout, financé par le gang. Dès son activité lancée, il aura alors une année blanche durant laquelle il gardera l'intégralité de ses revenus pour l'aider à faire fleurir ses affaires. Puis il devra reverser une partie de ses bénéfices à son shattegashira, qui se rémunérera sur cette reversion, qui paiera lui-même le wakagashira, qui en gardera une partie et versera le reste au grand patron. Cette mécanique bien huilée est celle pratiquée depuis les origines. Lorsqu'il aura prospéré et pris de la bouteille, notre racketteur devra à son tour aider un petit jeune qui se lance. Alors, si son business marche vraiment bien et qu'il ne se fait pas arrêter par la police, il prendra de l'importance au sein du clan, montera en grade petit à petit, et s'il est très rentable et d'une fidélité d'airain, il pourra devenir château Gashila, voire plus. Si par malchance son activité venait à décliner et qu'il ne puisse plus payer sa part à la famille, ce ne serait pas un motif de punition ne sont punis que ceux qui trahissent ou qui volent, ceux dont les affaires périclites sont aidés par leur père, dispensés de cotisations et s'ils n'y arrivent toujours pas, reclassés dans une autre activité. Par contre, si l'idée lui prenait de dissimuler des revenus au clan, de travailler avec ou pour la concurrence, voire de donner des informations à la police ou à l'ennemi, ce jour-là, le cercle infernal des ennuis se mettrait en route. Imaginons que notre ami, grisé par la réussite et l'appât du gain, se laisse tenter par un plan de trahison, passant par de fausses déclarations de revenus à ses chefs, un petit emprunt dans la caisse, quelques renseignements sur ses activités à un clan adverse contre rémunération et, par exemple, une aventure avec la femme d'un collègue. Alors notre contrevenant serait promptement interpellé par la garde rapprochée de l'Oyabun, interrogé sans ménagement, et une fois ses aveux obtenus, recoupés avec les preuves recueillies par le clan, bien sûr, une espèce de conseil de discipline, de tribunal interne se mettrait en place. S'il est reconnu coupable de manquement au code d'honneur, il n'y aura alors qu'une façon pour lui de faire amende honorable, celle de la cérémonie du Yubitsme. Rassemblé devant ses pairs, le condamné devra, pour expier ses fautes et faire acte de contrition, s'amputer une phalange à l'aide d'un Tanto, poignard japonais extrêmement tranchant, sans anesthésie, et en faire don à son Oyabun. Si la punition intervient en représailles d'une offense faite à un autre clan, le doigt amputé sera offert à ces derniers comme gage d'apaisement. Lors de cette cérémonie punitive et selon la gradation de la faute, le chef peut demander au yakuza de lui rendre le Oyako Sakazuki qu'il avait reçu lors de sa cérémonie et la briser pour symboliser la confiance cassée et le lien rompu. Si tel est le cas, le yakuza puni revient alors en bas de l'échelle et devra à nouveau prouver sa loyauté. Ce châtiment peut se renouveler plusieurs fois. Et un Yakuza à l'âge avancé a peu de chance de passer sa retraite à jouer du piano. Certains clans comme les Fukuhakukai de Fukuoka mettent des résidences à la disposition des vieux Yakuza. Et il n'est pas rare, dans le petit village de Sasagori, que je connais bien puisque c'est là que mes deux enfants sont nés et que ma concession m'attend, il n'est pas rare donc de voir une dizaine de vieux gars assis sur des bancs, verre d'alcool dans une main et cigarette highlight dans l'autre, mal tenus entre leurs phalanges amputées. Il est à noter que ses doigts sont conservés dans le formol ou l'alcool, et que le Hoyaboom peut décider, si le puni se rachète, de lui rendre son membre qu'il pourra alors conserver chez lui sur une étagère en souvenir. Il est à noter que cette pratique, très répandue puisque la moitié des yakuza y est passée, a donné lieu à un nouveau type de business, celui des prothèses digitales. Pour un million de yens, environ 8000 euros, un spécialiste pourra vous confectionner un doigt artificiel à la couleur de votre carnation et qui évitera le regard noir de la police et de vos contemporains lorsque vous boirez le thé. Mais voilà. Si la faute est plus grave, si le déshonneur est tel que le Yakuza mérite une exclusion définitive, une sanction exemplaire, voire beaucoup plus, le conseil de discipline se réunira à nouveau et rédigera une hamondio, une sorte de lettre de licenciement sans indemnité de départ. Le Oyabun décidera de l'écrire à l'encre noire, ce qui exclura le Yakuza pour une période donnée, un an, deux ans ou plus, ou à l'encre rouge, ce qui signera son exclusion définitive et sans retour avec impossibilité de rejoindre un autre clan. En effet, malgré la guerre qu'ils se mènent, les clans suivent tous le même code d'honneur et refusent les membres exclus d'une autre famille. De plus, les familles se tiennent informées des Hammondio émis par la concurrence et mettent les concernés sur une liste d'exclusion. Ce bannissement définitif est une sanction très dure, puisque, bien sûr, le condamné se verra confisquer tous ses biens et effacer ses tatouages de clan au fer rouge ou au rasoir, mais il est une sanction ultime pour ce coupable d'une haute trahison, le CEPCO. Cette ultime punition, héritée des samouraïs et des officiers de l'armée impériale qui la pratiquaient en cas de défaite, consiste à s'ouvrir le ventre à l'aide d'un poignard tanto jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il va sans dire que cette fin est extrêmement douloureuse, même si, dans la majorité des cas, le Oyabun vous accorde une décapitation au sabre une fois l'acte accompli pour abréger vos souffrances cette punition reste exceptionnelle mais se pratique toujours mais alors si rien de fâcheux ne vous arrive et que vous voulez faire carrière dans le crime organisé que faire dans quelle branche travailler que peut-on faire dans ce monde d'hommes lorsqu'on est une femme peut-on partir travailler sous les tropiques et en cas de crise comment se débarrasser de ses rivaux L'activité la plus répandue et la plus connue est bien entendu le racket. Aussi ancienne que les yakuza eux-mêmes, elle est la source de revenus la plus importante et, malgré les lois anti-gang de ces dernières années, prospère toujours même si c'est sous une forme différente, puisque 41% des patrons japonais affirment en avoir été victimes. Le principe en est vieux comme le monde et n'a rien de nouveau. Chaque entreprise, magasin ou industrie située sur le territoire d'un clan a de fortes chances de recevoir la visite d'un ou plusieurs Yakuzas qui lui proposera protection et sécurité moyennant une somme mensuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires. En général, de jeunes Chateis sont venus quelques semaines et quelques jours plus tôt pour attaquer l'entreprise en question. Parfois avec les blasons de gangs rivaux, créant ainsi des conditions nécessaires à l'acceptation du contrat. Dès lors, un collecteur passera chaque mois à récupérer le fruit de cette assurance très spéciale. Si le dirigeant refuse de payer, il a de fortes chances de voir son entreprise partir en fumée dans les jours qui suivent. En cas de non-paiement de cette sorte d'impôt, le oyabun peut également tenter de connaître les causes. Si le commerçant ne peut plus payer à cause d'affaires qui déclinent ou d'ennuis de santé, il sera souvent dispensé de ce règlement et parfois même aidé par le clan qui le ponctionnait. Par contre, s'il cesse de payer sans raison valable, plusieurs kyodai viendront très vite lui remettre un rappel de cotisation sous forme de membres cassés, de sacage de local, voire plus si l'affaire se répète. C'est donc là une forme de raquette, somme toute assez classique. Mais il existe un type d'extorsion propre au Japon et au Yakuza, le Sookaia. Comme vous le savez, les organisations Yakuza ont un statut particulier sur cette planète, puisque tout le monde sait où les trouver, que la plupart un local officiel et identifié. Autrefois ouvertement dédiés aux activités de gang et aujourd'hui déguisés en associations culturelles ou sportives. Alors, tout simplement, par le biais de ces vitrines officielles, les gangs vont proposer des prestations aux entreprises. Facturés comme des contrats d'animation ou de maintenance, ils cachent en réalité de bien plus sombres services. Souvent, les yakuza embauchés le sont pour mater une contestation sociale par la force, impressionner violemment un employé indésirable pour le forcer à démissionner, voire ruiner l'activité commerciale d'un concurrent pour favoriser la sienne. Une autre facette de ce socaea est bien plus pernicieuse. Lorsque de grandes entreprises veulent asseoir leur autorité et faire taire toute contestation parmi ses actionnaires, elle paie une organisation criminelle pour rentrer dans son capital le plus légalement du monde. Les Yakuza, leurs actionnaires de ces entreprises, peuvent alors siéger au Conseil et, en affichant clairement leur statut à grands coups de costumes chatoyants, de lunettes de soleil et de pins aux couleurs du clan, terroriser le reste des porteurs d'actions qui auraient voulu ne pas voter une résolution. Cette pratique Toujours très répandu et extrêmement surveillé par les autorités et de très gros groupes bancaires se sont récemment fait épingler par la police pour ce genre de pratique. Bien entendu, les entreprises qui pratiquent cette association étrange reversent des dividendes aux gangsters actionnaires bien plus importantes que celles des simples kidams. En 2019, la police estimait que toutes les méga entreprises japonaises avaient été touchées par ce phénomène. Une autre facette de cette vaste entreprise de raquettes, hors Sokaea cette fois, est le chantage de célébrités, de politiques ou d'hommes d'affaires. Il est d'autant plus pratiqué depuis l'avènement des réseaux sociaux et la facile propagation de scandales. Certains clans ont même un service spécialisé dans la surveillance de personnalités, guettant le moindre écart appareil photo à la main. Mais si cet écart n'est pas spontané, les yakuza peuvent aussi le provoquer. Alors, il n'est pas rare de voir une jeune et séduisante chatte y charmer un vieux capitaine d'industrie, un ministre ou un acteur marié, le photographier dans des postures peu académiques, puis remettre les clichés et les preuves matérielles à son chatte Gaishira qui se chargera d'organiser le chantage. Malheureusement, cette pratique a poussé un certain nombre d'artistes, déjà fragiles, à mettre fin à leur jour durant les dix dernières années. Des déclarations récentes de Shinoda Kenichi, alias Tsukasa Shinobu, le oyabun de Yamaguchi Gomi, revenaient sur cette tradition du racket, au moins pour son organisation. Lui y voit plus une forme d'impôt, une dîme, comme on payait les serfs à leur seigneur, en récompense et salaire de la paix et de la sécurité qu'apportent les yakuza à la population civile. Il reparlait de l'aide financière et logistique apportée par les gangs lors des tremblements de terre, mais aussi lors du tsunami de 2011. Il est vrai que lors de ces événements dramatiques, les grandes familles mafieuses avaient été beaucoup plus réactives que les autorités et avaient dépêché sur place hommes, matériels et vivres en quelques heures. Les Yamagotigomi avaient même construit un hôpital de campagne, envoyé des médecins et créé un couloir aérien avec leurs propres hélicoptères pour évacuer la population. Ceci et d'autres faits du quotidien tels que des centres-villes plus sûrs font que malgré les lois et les campagnes anti-gang, les Yakuza gardent tout de même une certaine sympathie de la part des civils et même de beaucoup de policiers de terrain. Mais si vous n'avez pas l'âme d'un maître chanteur ou d'un collecteur, vous pouvez toujours vous lancer dans le sport. Enfin, plus particulièrement dans les paris truqués et la corruption d'arbitres. En effet, depuis trois décennies et le début des lois anti-gang, la quasi-totalité des clans s'est reconvertie dans le monde du sport et plus particulièrement du sumo. Toujours très attachés aux traditions et au glorieux passé, les yakuza ont investi le monde de la lutte sumo à la fin des années 90, semant le chaos dans un sport alors épargné par les scandales. Piégeant certains athlètes grâce aux mêmes techniques que celles servant à faire chanter les industriels, les gangs ont ainsi recruté plusieurs lutteurs et de fil en aiguille créé leurs propres écuries. Bien entendu, ils ont alors pu maîtriser non seulement le réseau des paris sportifs, mais également pu décider du vainqueur, réduisant considérablement les risques. Puis ce furent les arbitres qui ont été achetés et, dès lors, le sport dont son ensemble évoluait dans l'ombre de la mafia. Les gains étaient alors spectaculaires pour les clans, on parle de milliards de yens, mais aussi pour les lutteurs qui n'avaient jamais été aussi bien payés. Mais un grain de sable vint enrayer cette belle mécanique bien huilée. En effet, en 2010 et 2011, un scandale national éclata lorsqu'un lutteur, adulé par les foules et super champions Higonomi Naoya, se fit prendre la main dans le sac. Le champion de l'écurie Kisei avait été pris en train d'offrir des places de grands tournois au premier rang à de hauts dignitaires du clan Yamagoti Gomi, finit par se mettre à table et balancer tout le système mis en place des années auparavant. Un grand nombre d'arrestations de sportifs, d'arbitres et de propriétaires de salles sont suivis, et beaucoup de lutteurs furent rétrogradés, voire exclus de la fédération. Suite à ce scandale, l'ensemble des tournois et des clubs de sumo furent réorganisés et les connexions avec les gangs coupées. Enfin, en apparence, car l'ombre des yakuza plane toujours sur le monde des paris sportifs clandestins, sur lequel ils règnent toujours en maître. Mais s'il est un sport sur lequel ils ont toujours eu une mainmise évidente, c'est bien le catch. La principale raison de cette hégémonie est historique, puisque ce sont les familles Yakuza qui ont importé puis popularisé ce sport au Japon dans les années 50. Propriétaires de la majorité des salles, ils dirigent aussi les écuries de lutteurs et les sociétés de paris au travers de sociétés tout à fait légales. Mais ce qui s'écarte légèrement de la voie officielle est la façon avec laquelle les Yakuza gèrent les combats et les paris. Bien entendu, les futurs champions sont recrutés très jeunes par les clans, puis choyés et entretenus comme des princes pour créer un rapport de reconnaissance. Bien sûr, lorsque leur mérite athlétique les propulse sur le ring, ils devront tenir compte des instructions du gangster entraîneur qui orientera le match en fonction des cotes et des paris. Étant propriétaire de presque toutes les écuries de catch, il aurait donc très facile d'arranger tout cela à leur convenance et sans que personne n'y trouve à redire. Par contre, pour les catcheurs réticents ou les organisateurs pointilleux, la méthode reste la même. Intimidation, violence, kidnapping de proches et parfois la mort. C'est ce qui arriva à Rikidozan, un catcheur professionnel d'origine coréenne et qui combattait pour un clan de même origine. Refusant de se coucher face à un catcheur drivé par le clan Sumiyoshi-kai, il fut assassiné en 1963 dans un bar de nuit par Murata Katsuji au Kagashira de Sumiyoshi. Mais même si ce sont ces deux sports qui ont vu la plus grande infiltration des gangs, les autres n'en sont pas exempts pour autant. On peut constater la présence des yakuza très régulièrement dans les courses de chevaux, de bateaux ou de chiens, dans le baseball et même le football. Mais alors, si vous n'aimez ni le sport ni l'extorsion, pourquoi ne pas tenter les jeux d'argent En dignes héritiers des bhaktaos, les yakuza ont toujours évolué dans le milieu du jeu d'argent en ayant même le quasi-monopole durant l'âge d'or des années 60 et 70. Aujourd'hui, ils sont toujours à la tête de petits casinos clandestins installés dans les sous-sols de restaurants dont ils sont propriétaires, ou, de plus en plus, dans de petites habitations rurales en périphérie des grandes agglomérations. En général, on y trouve des tables de mahjong, des roulettes et d'autres jeux de casino, et les mises de départ y sont souvent beaucoup plus importantes qu'autour des tables autorisées. Les joueurs infortunés, c'est-à-dire tous, ont en plus la possibilité de contracter un emprunt auprès du gang qui tient le lieu. Il va sans dire que ses prêts sont à un taux bien au-dessus de la moyenne et doivent être remboursés en temps et en heure, sous peine de voir sa vie gravement perturbée. Hors de ces tripots clandestins, les gangs ont également un très grand nombre de bureaux de Paris, clandestins aussi, principalement sportifs. Cette activité fortement réduite lors des grands scandales des années 2000 a repris du poil de la bête avec l'explosion des paris en ligne dont les gangs contrôlent une grande partie. Mais l'activité incontournable reste encore et toujours le patinko. Ces petites machines à sous à billes d'acier sont un loisir extrêmement populaire au Japon et l'on en trouve à tous les coins de rue. Cette activité brasse des milliards de yens chaque année, alors bien entendu, il n'en fallait pas moins pour intéresser les Yakuza. Depuis la création de ce loisir, ils dirigent un grand nombre de compagnies de distribution de ces machines, les réglons pour qu'elles gagnent le moins possible, et possèdent une partie des grandes enseignes de salles de jeu. En plus de rapporter beaucoup d'argent de façon quasi-légale, les salles de pachinko sont également une couverture idéale pour blanchir de l'argent. Tenues en majorité par les gangs coréens ou affiliés, les salles de jeu ont été, par le passé, de sanglants théâtres de règlement de comptes. Bon. Vous n'êtes pas sport, pas collecteur et n'aimez pas les jeux d'argent, alors pourquoi ne pas vous lancer dans l'immobilier de contact Cette activité est très répandue et, ce dans tous les clans, est un héritage des grands empires immobiliers Yakuza des années 50 à 2000. Ne pouvant plus détenir de sociétés immobilières, mais en gardant toujours les codes, les gangs se sont fait comme spécialité de régler à leur manière toutes sortes de conflits. Problèmes de voisinage, loyers impayés, expulsions difficiles ou au contraire, logements insalubres et propriétaires réticents, pas de problème. Les Yakuza ont la solution à votre souci. Pour éviter la paperasse, les frais de justice, les procédures interminables et les lois japonaises très protectrices pour les locataires, les gangs vous proposent des expulsions musclées en toute saison, des intimidations viriles de propriétaires radins avec garantie de travaux à la fin et toutes sortes de prestations rapides. La popularité des Yakuza auprès du grand public vient aussi de cette activité très populaire auprès des civils en litige. Toutes les couches de la population ont fait ou feront appel à ces services. J'ai moi-même, dans ma belle famille, une personne qui a fait refaire une salle de bain délabrée dans un logement loué grâce à l'intervention tarifée d'un gros bras yakuza. C'était pourtant une petite mamie bien sous tout rapport. Bien entendu, en plus de ces domaines, plus particuliers au Japon, les Yakuza se livrent également à toutes sortes de trafics illégaux ayant pour point commun une très haute rentabilité. Et pour commencer, le point commun entre toutes les mafias du monde, le trafic de drogue. Bien que le code d'honneur empêche les membres de gangs de se droguer, il n'empêche en rien la vente de substances, bien au contraire. C'est d'ailleurs un des seuls trafics dont les Yakuza possèdent l'exclusivité, sûrement grâce à l'histoire même des clans. Fortement aidés par les GIs américains, les forces d'occupation qui utilisaient les gangs tout-puissants d'après-guerre pour écouler amphétamines et morphines, les grandes familles se sont fait un réseau mondial de grossistes, voire de fabricants de substances en tout genre et en assurent, aujourd'hui encore, les ventes sur le territoire. Malgré des lois parmi les plus répressives du monde, il n'est pas si compliqué, pour qui sait où chercher, de trouver cannabis, méthamphétamine, GHB ou LSD. Ils sont moins présents dans la vente d'héroïne dont la consommation est plus anecdotique et dont la vente reste le domaine de quelques groupes de mafias chinoises présents au Japon. Depuis les lois anti-gang et la surveillance renforcée des navires de marchandises appartenant au clan, la culture du cannabis et sa transformation sur le sol national s'est généralisée, et un grand nombre de petits gangs, souvent ruraux, tirent leurs revenus de cette activité. La police démantèle régulièrement des plantations clandestines dans de petites maisons de campagne ou de banlieue équipées pour la culture. Malgré des prix prohibitifs et des peines de prison très importantes, la consommation de drogues diverses ne fait qu'augmenter au Japon depuis les années 90. Le gouvernement a bien légalisé quelques substances moins fortes comme le CBD pour essayer d'endiguer cette vague, mais les Yakuza sont en train de rebondir et développent maintenant une stratégie de relance du trafic de cocaïne, drogue qui connaît un regain d'intérêt dans les grandes villes. Autre trafic juteux lié à une législation implacable, le trafic d'armes. Il est aussi vieux que les Yakuza et remonte aux origines. Les Tekiyas, ces marchands ambulants du Japon médiéval, ancêtres de certains gangs actuels, vendaient sous le manteau sabres et fusils à une époque où déjà la législation impériale en interdisait la détention aux civils. Les choses n'ont pas trop changé. Le Japon contemporain a, comme pour les drogues, une des législations les plus restrictives sur la possession d'armes et hormis la police et quelques chasseurs, personne ne peut en acquérir légalement. Alors, pour ceux qui veulent toxir leur prochain ou protéger leur secteur, une seule solution, le marché noir. Généralement achetés en Chine ou en Russie, les armes vendues sont de vieux pistolets de réforme des années 70, souvent des 9 mm Tokarev, soviétiques, parfois de vieux P38 de contrebande en provenance des stocks taïwanais volés et occasionnellement des New M60, les calibres 38 de la police japonaise, parfois volés par les gangs lors d'altercations. Un Tokarev ou un P38 se vend environ 1 500 000 yens, soit 10 000 euros, dans les rues de Tokyo, et il faudra compter le double pour une arme récente et plus fiable, importée à grand risque des USA. A titre d'exemple, un Glock 17 récent se vend 3 millions d'yens, environ 23 000 euros, au marché noir, là où il a coûté une centaine de dollars à l'achat. C'est donc un trafic extrêmement juteux et rentable, certes, mais aussi le plus risqué, puisqu'un trafic en d'armes au Japon risque la prison à vie. Il existe un autre trafic très rentable et dont les yakuza sont devenus les spécialistes un trafic atroce mais bien réel, celui des êtres humains organisé et impitoyable, ce commerce de travailleurs clandestins s'opère depuis l'Asie du Sud-Est, la Chine et la Russie. Les yakuza implantés sur place font entrer illégalement des jeunes femmes avec des rêves de réussite sur le territoire japonais afin d'alimenter les réseaux de prostitution gérés par les gangs. Le code d'honneur interdisant de prostituer des femmes japonaises dans les réseaux classiques, ils se servent donc de jeunes femmes pleines d'illusions et qui se retrouvent souvent dans des maisons closes peu reluisantes, à loger à plusieurs dans de minuscules appartements avec la crainte d'être dénoncées aux autorités si elles n'obtempèrent pas. Autre réseau d'immigration clandestine géré par les gangs, celui des travailleurs. Nombre d'entreprises gérées ou protégées par les yakuza font appel à cette main-d'œuvre illégale, souvent en provenance de Chine, de Taïwan ou de Mongolie. Sous-payés et vivant sous la menace d'une expulsion, leur sort est comparable à celui des prostituées. Ce trafic, le plus immoral qui soit, est une source de revenus très importante et bénéficie toujours d'une certaine complicité auprès de la police des frontières. Puisque nous parlons de la prostitution et de sa gestion crapuleuse par la mafia, essayons de voir comment cette activité millénaire et hautement lucrative est organisée. Je vous avais parlé de la place des femmes chez les Yakuza, et eh bien nous y voilà. Bien qu'interdite depuis un demi-siècle, cette activité reste florissante et très très structurée. Entièrement gérée par les gangs, la prostitution se répartit entre plusieurs lieux identifiés, Tenant enseigne tels que les Barahotes, les Soprand, les clubs de striptease, la quasi-totalité des Love Hotels et quelques salons privés de luxe. Comme nous l'avons vu précédemment, la totalité des filles qui travaillent sous la contrainte d'un souteneur et d'origine étrangère et seules les prostituées volontaires sont japonaises et réservées à une clientèle de luxe, souvent aux dignitaires yakuza eux-mêmes. Le type de prostitution le plus répandu et le plus populaire est celui que l'on retrouve dans les snacks, ces bars à hôtesses bon marché présents aussi bien dans les quartiers des grandes villes que dans les campagnes reculées. Ces établissements sont toujours tenus par des femmes, des patronnes et proxénètes que l'on appelle mamma, et qui gèrent l'activité commerciale sous la tutelle d'un gang. Dans ce cas là, le gang ne fait que récolter les dividendes de l'activité et protéger le lieu. C'est la mama qui choisit son personnel, les prestations fournies et la clientèle autorisée. Cela peut aller du simple bar à bouchon, où vous payez une fortune, une bouteille de mauvais champagne pour la boire en compagnie d'une hôtesse qui passe d'un client à un autre, à la véritable maison close telle qu'on les connaît en Europe, où les clients ne viennent que pour le sexe. En 2019, cette activité concernait 160 000 filles réparties sur tout le territoire. Une forme de prostitution qui échappait encore aux Yakuza et l'occasionnelle via des sites d'escorte, mais depuis quelques années, la totalité de ces plateformes a été rachetée par les gangs. Pour lutter contre la prostitution étudiante, phénomène en constante augmentation, les gangs sont très présents sur le terrain, Notamment autour des gares et des stations de métro, lieu de racolage privilégiés. Ce n'est pas tant par souci de moralité que de concurrence déloyale que les gros bras intimident les adolescentes qui se livrent à cette activité. La police métropolitaine de Tokyo a avancé le chiffre alarmant de 9 des jeunes filles japonaises qui se prostituent occasionnellement pour s'offrir des accessoires et des vêtements de marque. Malheureusement. Une partie d'entre elles finira sous la coupe d'un gang. Comme la hiérarchie dans les familles mafieuses, celle des réseaux du sexe est très codifiée et entièrement tenue par les femmes. Une employée de bar à hôtesse méritante peut monter les échelons, travailler en club privé puis en salon VIP et ouvrir finalement son propre établissement. Chez les mammas les plus influentes, celles qui recrutent elles-mêmes et infligent les punitions aux fautives, on retrouve des personnalités qui ont le même crédit auprès des oyabun que certains okagashira. Bien entendu, toutes ces travailleuses du sexe alimentent le marché de la pornographie, lui aussi en partie tenu par les yakuza. Devant le grand nombre de notables clients de ces réseaux, il va sans dire que cette activité, pourtant illégale, n'est que très rarement dans les viseurs de la police et de la justice, et que toutes et tous travaillent dans une paix royale. Bon, vous voilà au courant des différentes activités proposées par les clans. Certaines vous intéressent, mais vous aimeriez voir du pays, alors est-ce que Yakuza, c'est un métier qui s'exporte Eh bien oui. Cela peut surprendre tant l'enracinement dans la culture traditionnelle semble fort, mais les principaux clans ont tous du personnel délocalisé à travers la planète. Ainsi, on retrouve des délégations des Yamaguchi-gumi, des sumiyoshi -kai et des inagawa -kai dans toute l'Asie du Sud-Est et en Chine, principalement pour servir de recruteurs au réseau de prostitution, mais aussi pour organiser le trafic de drogue. On trouve aussi une population assez importante en Californie, où la forte densité japonaise immigrée s'est structurée autour des clans qui continuent d'avoir une forte influence sur la vie communautaire. Ce sont également eux qui alimentent le trafic d'armes récentes et de méthamphétamines vers l'archipel. Mais l'État américain qui compte le plus de Yakuza actifs reste Hawaï. Où il contrôle les réseaux de la drogue, de la prostitution et du racket, trouvant une clientèle bénie au travers des très nombreux touristes japonais qui visitent l'île chaque année. De par sa proximité avec le Japon, Hawaï reste la plateforme d'embarquement des différentes contrebandes privilégiées des clans. Bizarrement, année après année, la police américaine semble avoir la même complaisance pour les yakuza que la police japonaise. Sans doute grâce à la relative sécurité qu'apportent les gangs sur le territoire. Mais bien que moins implantés, on retrouve aussi des bureaux étrangers au Mexique, principalement pour l'exportation de drogues et de filles, au Pérou, pour les mêmes raisons, et récemment en Australie. Il va sans dire que l'incursion Yakuza dans des pays déjà contrôlés par d'autres mafias ne se passe pas sans heurts. Là où à Hong Kong la coexistence entre Yakuza et triade chinoise fut plus pacifique que ce que le cinéma ne veut bien le dire, préférant gérer les affaires calmement plutôt que de les tuer dans un bain de sang public, les choses sont plus chaotiques aux États-Unis mais surtout en Australie. À Los Angeles, le clan Yoshitomi Gomi Adoubé par les Yamaguchi, a connu quelques années de guerre meurtrière contre les gangs afro-américains et latinos pour le contrôle du marché de la méthamphétamine en Californie. C'est après un rapprochement et des accords avec le cartel mexicain Los Zetas que Yoshitomi Hideaki, leur Oyabun, a pu sécuriser les territoires du clan et même les étendre dans d'autres villes comme Chicago ou New York. À l'heure actuelle, ce sont les hommes du clan Yostomi qui ont le quasi-monopole de la distribution du cristal fabriqué au Mexique par Los Zetas. En parallèle, le Oyabun diplomate a également conclu des accords avec le cartel beltrán Leyva, une branche du cartel de Sinaloa, avec qui il partage un goût certain pour le trafic de cocaïne, de marijuana, le kidnapping et la corruption politique. Il faut savoir également que les Yoshitomi Gumi fournissent un large contingent de tueurs à gages qui opèrent sur tout le territoire américain et sont réputés pour leur efficacité. En Australie, le constat est plus mitigé pour les Yakuza. Arrivés officiellement sur l'île continent dans les années 90, ils ont dû dans un premier temps s'allier avec les triades chinoises et hongkongaises pour mettre un pied dans le business de la drogue, puis de la prostitution. Mais face à la présence bien établie des mafias italiennes et irlandaises, leur évolution est lente et compliquée, et les règlements de compte trop meurtriers pour que les familles restées au Japon n'envoient plus de troupes. Alors, de petits groupes se sont installés près des villes casinos et y rackettent les Japonais venus ouvrir un établissement ou les touristes venus tenter leur chance. En 2010, on estimait que près de la moitié des effectifs yakuza arrivés en 1995 avaient péri dans des fusillades et des raids orchestrés par les Calabrais et les Irlandais. Pour clore ce chapitre sur les activités des clans et les conflits qui en résultent, je voudrais vous raconter trois histoires de massacres causés par les yakuza à trois époques différentes mais avec le même résultat. La mort de nombreux innocents, civils, parfois enfants, pris sous les tirs croisés des gangs. La première de ces histoires se déroule à Kanagawa, dans la périphérie de Tokyo, en 1925. À cette époque de grande construction et de modernisation du pays, la compagnie de BTP Tokyo Denryoku faisait régulièrement appel à la main d'œuvre issue des colonies japonaises, mais aussi aux différents gangs yakuza de l'époque pour gérer ces flux laborieux éviter les revendications sociales et graisser la patte des promoteurs. Le gigantesque chantier que la compagnie venait d'obtenir du gouvernement à grands coups de pots de vin et d'intimidation était bien trop important pour être supporté par eux seuls. Alors ils décidèrent de s'adresser à un sous-traitant. Deux compagnies de construction se mirent alors sur les rangs. La Shimizu Kensetsu, toujours en activité de nos jours mais alors pilotée par le gang Aoyama Kai, et la Hadzama, elle aussi toujours en activité, est managée à cette époque par le gang Mitani Kumi. Le contrat promis au vainqueur de cet appel d'offres était extrêmement juteux et, bien sûr, les deux clans rivaux qui œuvraient derrière ces façades de béton ne voulaient rien céder. Après une dizaine de négociations entre Oyabun, quelques assassinats ciblés sur des dignitaires yakuza ennemis, aucun camp ne voulait céder. Alors, les deux Oyabun rivaux décidèrent de régler ce problème sur le pré et appelèrent leur Wakagashira à rassembler toutes les troupes disponibles pour en découdre. Au petit matin, ce furent 900 Aoyamakai et 750 Mitanikomi qui se retrouvèrent face à face, armés de fusils, de pistolets, de sabres et de barres de fer. Le fracas qui s'en suivit fut entendu à des kilomètres à la ronde et la fusillade, qui tourna en mêlée lorsque les munitions vinrent à manquer, attira toutes les forces de police disponibles dans l'arrondissement. N'arrivant pas à en venir à bout, la police de Kanagawa dut appeler Kempei Tai, la police militaire impériale, pour maîtriser ce qui ressemblait à une émeute, mais rien n'y fit. Aucun des deux clans ne voulait se rendre et le son versé n'était plus uniquement celui des Yakuza. Mais il se mêlait avec celui des policiers, impuissants devant le déferlement de violence. En fin de journée, voyant que la situation échappait à toutes les forces de police et au clan eux-mêmes, le Oyabun du clan Aoyamakai fit venir un canon d'artillerie volé dans les stocks de l'armée pour arrêter les hostilités. Après plusieurs tirs, tout le monde se dispersa enfin et, le temps que des troupes de police fraîches arrivent, des Kyodai par centaines vinrent ramasser les corps restés au sol lui-même imprégné de sang. Suite à cet incident, le gouvernement rapporta qu'il y avait eu une centaine de blessés chez les émeutiers et trois policiers tués. Bien entendu, personne ne crut à ce bilan et a raison. Un rapport déclassifié retrouvé dans les années 50 dresse, lui, un bilan plus réaliste et fait état de 120 morts chez les yakuza et 19 chez les forces de l'ordre. Malheureusement, ce document fait également mention de 11 personnes, dont 3 enfants, tuées par des balles perdues. L'histoire retiendra que la Shimizu a obtenu le chantier. L'histoire suivante se déroule en 1985 dans la région du Kansai. À cette époque, le clan Yamaguchi Gomi était dirigé d'une main de fer par le Oyabun Taoka Kazuo, qui avait unifié sa famille et développé ses activités sur tout le territoire. Mais à l'âge de 68 ans en 1981, il mourut subitement d'une crise cardiaque et laissa le clan son chef. Ayant prévu qu'une mort brutale pourrait lui arriver, eu égard à son style de vie un peu extrême, il avait nommé sa femme Fomiko pour lui succéder en attendant qu'un nouvel Oyabun soit élu. C'est ce qu'elle fit, et brillamment d'ailleurs, durant les trois années qui suivirent la mort de Taoka. Mais en 1984, un ancien Okagashira très estimé, Takenaka Masahisa, fut élu par presque tous les dignitaires de Gomi et prit la direction des opérations. Enfin, tous sauf un, car Yamamoto Hiroshi, pressenti lui aussi pour reprendre la tête du clan, espérait bien être élu et voyait d'un très mauvais œil l'accession de son rival. Alors il décida de faire cession. Et quelques semaines après l'élection, fonda son propre clan, le Ichiwakai, emportant avec lui 18 Chateigashira et 3000 Kyodai. Bien entendu, le nouvel Oyabun élu lui envoya un Hamondio en lettres rouges, mais rien n'y fit. Début janvier 1985, Takenaka fit envoyer quelques porte-flingues pour essayer de remettre les Yakuza séparatistes dans le droit chemin, mais malgré quelques hommes au sol, Yamamoto s'obstinait. Alors, le 26 janvier de la même année, et pour asseoir sa légitimité, il envoya cinq de ses meilleurs tueurs avec pour mission de descendre Takenaka et tous ceux qui se tiendraient à ses côtés. Les tueurs l'attendirent devant sa maison de Sehita, près d'Osaka, et alors que le boss entrait dans l'ascenseur avec sa petite amie et son Wakagashira, Nakayama Katsumasa, ils firent feu. Leur déchargeant une cinquantaine de cartouches de 9 mm et tuant les trois. Leur jeune chauffeur, alerté par la fusillade, accourut pour porter secours à son patron, mais fut abattu d'une balle dans la tête. La réaction des Yamagoti Gomi ne se fit pas attendre et commencèrent alors les années les plus meurtrières de l'histoire des clans d'après-guerre. Durant quatre ans, ce furent trente-six dignitaires des deux clans, mais principalement des Tikawakai, qui furent abattus en pleine rue ou à leur domicile, et une cinquantaine d'hommes de troupes, là aussi en majorité dans le clan dissident. Durant ces années de plomb, ce furent plus de deux cents fusillades qui éclatèrent entre les deux familles rivales et les médias comptaient les morts, y compris parmi les civils. Mais, dans cette guerre de harcèlement et d'usure, le clan fraîchement fondé ne put s'en tirer faute de troupes. Alors, petit à petit, les hommes désertés demandant la protection de la police ou rejoignaient les Yamagotigomi. Acculé, Yamamoto dut accepter des pourparlers et ce fut le clan Inagawakai, toujours neutre dans les guerres de gang, qui se chargea des négociations. Le Itikawakai fut dissous, certains de ces hommes purent réintégrer le yamaguchi moyennant la cérémonie du yubitsume et yamamoto obtint le droit de s'ouvrir le ventre au lieu de se voir coller une balle dans la nuque comme prévu suite à cette période de trouble watanabe yoshinori devint le cinquième Komitcho, le parrain suprême du clan yamaguchi gomi ramenant une période de paix relative et mettant fin à ce qui restera comme la guerre des Yamaetikos. La dernière histoire n'est pas si ancienne et a eu lieu à une époque et dans un lieu cher à mon cœur. À la fin de l'année 2007, je vivais dans la belle ville de Fukuoka et j'allais être papa sans tarder. Il m'arrivait souvent de traverser le quartier de Nakase, l'équivalent du Kabukicho de Tokyo, pour y manger un bol de l'amen avant de rentrer à la maison. Je m'étais lié d'amitié avec un Raman Yassan, un vendeur de nouilles, qui s'était marié avec une amie de la mère de mes enfants. Un grand gaillard d'un mètre 80, ancien judoka semi-pro et qui installait sa cahute et son réchaud tous les jours. Il m'avait souvent parlé de la taxe en liquide qu'il devait verser au dos chaque mois pour avoir le droit de faire son métier et de la lassitude de beaucoup d'entre eux. En effet, ce quartier assez atypique de Fukuoka qui longe le fleuve, où se côtoient vendeurs de rues, prostituées, rabatteurs de clubs, vendeurs de produits illicites et gangsters en goguette, était tenu par le seul gang de d'Ojinkai depuis 1971. Mais en ces années de rébellion clanique, qui touchait entre autres les Yamaguchi, un petit groupe de Kyodai ambitieux fondèrent le Seidokai et se séparèrent de la maison-mère pour voler de leurs propres ailes. Le territoire étant plutôt exigu, les deux gangs devenus rivaux en quelques semaines ne pouvaient pas raisonnablement se partager la petite manne de Nakase. Alors, en décembre 2007, une dizaine de porte-flingues des Dojinkai fit irruption dans une réunion des Seidokai, au sous-sol d'un club de striptease et ouvrit le feu. La fusillade trouva du répondant et les jeunes rebelles répliquèrent avec des armes semi-automatiques, laissant trois assaillants pour morts. Surpris de cette réponse musclée, les Dodinkai se précipitèrent dans la rue, devenus les proies. Les jeunes Seidokai ouvrirent le feu en pleine rue, tuant un gangster de plus, mais aussi, atteignant en pleine tête Miyamoto Hiroshi, un père de famille de 39 ans qui rentrait chez lui après son travail. Au total, la fusillade aura duré quelques minutes et fait sept victimes. S'en un jour de deuil dans toute la ville et une véritable remise en cause de l'utilité réelle des gangs et de leur véritable dangerosité. Aujourd'hui, les deux clans cohabitent et les maisons closes tournent à plein régime. Les enfants de Miyamoto, eux, sont orphelins. Lorsque ma fille est née, deux mois plus tard, nous vivions loin du chaos dans les montagnes, dans un petit village loin des néons, connu pour ses plantations de châtaignes, ses agrumes jaunes et sucrés, mais aussi et je le découvrirai plus tard, pour sa résidence de retraite pour ancien yakuza. En novembre 2014, Takakura Ken, la star incontestable du film de Yakuza, s'éteignait à l'âge de 83 ans, victime d'un cancer. Cet homme, qui avait incarné avec classe les chefs de clan dans les chefs-d'œuvre de la Toei des années 60 et 70, emportait avec lui la dernière génération de ceux qui avaient réussi et prospéré grâce au Yakuza et leur rendait hommage chaque jour dans sa vie et ses actions. Si des films comme Yamaguchi Gomi 3ème génération ou Le Successeur qui traitent tous deux de la vie mouvementée de Taoka Kazuo, Yabun historique du clan, sont si réalistes et documentés, c'est tout simplement parce que c'est le parrain lui-même qui a coécrit ces films et en a financé la production. Car oui, à cette époque, yakuza, cinéma, télévision et politique faisaient bon ménage. C'est ce que nous apprenait la journaliste Suzuki Tomohiko dans un dossier très complet sur le sujet, paru dans le magazine Sapio de mars 2015, dossier qui ressort ce mois-ci, complété par de nouvelles photos et révélations. C'est suite au décès de Takakura, le Clint Eastwood japonais, que nombre de photos de ses réceptions et petites fêtes en compagnie des clans et de politiques de premier plan furent rendues publiques. Celle qui marqua les esprits fut cette énorme fête organisée pour le mariage de Taoka Mitsuru, le fils du célèbre chef des Yamaguchi Gumi mais aussi le producteur des films de Takakura. Le 23 mai 1974, le jeune milliardaire avait loué le Royal Hotel d'Osaka pour ses épousailles avec Nakamura Eiko, la jeune star des films « Combat son code d'honneur » sur les guerres entre clones. La promise devait d'ailleurs se suicider dans sa résidence de Kobe quelques mois plus tard dans des circonstances mystérieuses. Cette impressionnante réception vit se réunir plus de 700 personnes issues de toutes les couches dirigeantes du pays. À l'époque, l'événement avait été couvert entre autres par le Yamaguchi Gomishimpo, journal officiel du clan qui paraissait régulièrement dans les kiosques sans que cela ne gêne personne. Au milieu des dignitaires du gang, on pouvait voir un grand nombre de membres influents du parti libéral-démocrate au pouvoir à l'époque. Nakai Kazuo, le maire de Kobe. Goto Noboru, le président de la compagnie ferroviaire Tokyo Railway. Matsumura Masanao, PDG de Mitsubishi. Mais aussi Kishi Nobusuke, ancien premier ministre et grand-père de Abe Shinzo qui dirigea le pays jusqu'en 2020. Le grand-père d'Abe semblait même très proche de Taoka et l'on retrouva des lettres qu'ils s'échangeaient, certaines faisant même apparaître quelques arrangements et échanges de bons procédés. Un groupe de 50 journalistes avait été convié à couvrir l'événement, mais sous l'étroite surveillance des reporters gangsters du Yamaguchi Gomisimpo. Certains envoyés de NHK ont même rapporté qu'il y régnait un véritable climat de tension et que certains craignaient tellement pour leur vie qu'ils n'ont finalement rien filmé. L'un d'entre eux a pourtant eu le temps de remarquer la présence de Tanaka Kiyoharu, directeur du groupe média NHK justement, à tabler avec un représentant officiel de la CIA à l'ambassade des USA. Le médiateur presse en charge de cette direction assez stricte de la couverture médiatique n'était autre que Oda Hideomi, Wakagashira du clan Yamaguchi. Autour des tables, des dignitaires mafieux mangeaient en compagnie des actrices stars du moment, Kiyokawa Nijiko et Fuji Sumiko, mais aussi des collègues et amis de Takakura comme les acteurs Tsurutako-ji, Katsushin Taro, Kan et Uemiya Tatsuo. Ce furent les chanteurs Saigo Terohiko et Itsuki Hiroshi qui assurèrent le show, chantant même les hymnes du clan sous les applaudissements des politiques, et le comique Ban Zaburo, très populaire à l'époque, gratifia le public de gags et de sketchs à la gloire des Yakuza. Autre époque, autre mœurs. La série des films produits par Taoka fut la plus populaire et la plus rentable des années 70, battant tous les records d'affluence aux grandes dames de la police, qui y voyaient d'un très mauvais œil cette glorification assumée des gangsters. Le genre fut lui aussi triomphant jusque dans les années 80, où il déclina en même temps que la sympathie du pouvoir et du public pour les yakuza. Le sémillant Taoka Mitsuru, comme son père avant lui, bénéficia d'un ticket de sortie de prison toute sa vie, s'étant arrangé les bonnes grâces du pouvoir et du show business et ayant de quoi les faire chanter pour l'éternité. Arrêté 22 fois par la police pour ses activités criminelles, il ne passa jamais plus de deux heures au commissariat avant de ressortir avec les excuses des autorités. Mais en ces périodes dorées de collusion, les yamaguti Gomi ne furent pas les seuls à fricoter avec le pouvoir et les paillettes. En effet, un an plus tôt, un autre événement avait affolé les carnets mondains sans que le scandale qu'il représentait ne soit réellement perçu. Ce 11 juillet 1973, le tout Tokyo accourait au grand gala organisé par Mati Hisayuki, Premier Oyabun d'origine coréenne à prendre la tête du clan Tosei Kai et gangster notoire. Ce jour-là, il inaugurait en grande pompe le CCC, le Celebrity Choice Club, une espèce de Rotary Club avec des activités sympas en plus, une boîte de nuit, un spa, des salons de massage et un complexe sportif sur le toit. L'entrée dans ce club, très sélect était bien entendu hors de prix et donc réservée aux élites du pays. Par un hasard extraordinaire, ce club avait été construit dans un complexe immobilier érigé au milieu du quartier de Roppongi, le TSK, pour Toa Sogo Kigio, du nom de la société immobilière détenue par Mati Sayuki, avec le soutien d'un certain Kodama Yoshio et des Yamaguchi Gumi, alors alliés en affaires. Ce soir-là, on pouvait y trouver pêle-mêle Okada Shigeru, le PDG des grands magasins Mitsukoshi. Segawa Minoru, le grand patron de la sécurité privée au Japon, Nomura Securities, mais aussi la crème du parti libéral démocratique, déjà au pouvoir, dont Sonoda Sunao, le ministre des affaires étrangères. Nagashima Shigeo, le mythique champion de baseball des Giants, était de la partie et signait des autographes et des balles aux petits-enfants des Yakuza. Miyata Teru, le présentateur vedette de NHK à cette époque, assurait l'animation, micro à la main, assisté du vieillissant mais toujours rayonnant Kodama Yoshio. La délicieuse Yamaguchi Yoshiko, star de cinéma qui deviendra députée plus tard, jouait les hôtesses d'accueil auprès des parrains qui arrivaient et animait la soirée, souvent en compagnie de la chanteuse Tiaki Naomi, qui interprétait les airs favoris des ponts du Toseikai. Des albums photos souvenirs furent réalisés pour tous les invités, encouragés à ne pas les diffuser. Mais après la mort récente de l'un des convives, le magazine Chukan on a réussi à s'en procurer un, nous donnant une idée des invités en présence et appuyant la collusion des élites avec les gangs. À cette époque, Mati était le chef de clan émergent et triomphant. Assuré d'une paix durable avec les Yamaguchi Gumi et amis de Taoka Kazuo, il pouvait en toute tranquillité organiser ses trafics entre le Japon et la Corée, son pays d'origine, bénéficiant de la toute jeune liaison par ferry, la Kampu, entre Shimonoseki et Busan. C'est à cette époque que l'ambitieux Oyabun acquit son titre de tigre de Ginza. En effet, avec l'appui de son grand ami Kodama Yoshio, figure historique Yakuza s'il en est, il régnait en maître sur le quartier de Ginza en contrôlant les principaux bâtiments et commerces, tout cela sous l'œil complaisant, si ce n'est bienveillant, de la police et des autorités. C'est de cette improbable association que naquit donc ce complexe immobilier futuriste et étrange, composé de huit bâtiments s'imbriquant les uns dans les autres et couvrant plus de 3000 mètres carrés en plein Tokyo. Mais l'ambition du Tigre de Ginza ne s'arrêta pas là. Toujours avec l'appui des clans unis, du député de Fukushima, du directeur d'une grande banque japonaise et de celui de la Banque nationale coréenne, il fit bâtir le plus grand complexe de loisirs de cette époque à Shirakawa, dans la préfecture de Fukushima. Cette espèce de Disneyland pour Yakuza, de plus de 26 000 m2, avait tout pour s'amuser et dépenser son argent. En plus d'un hôtel gigantesque, d'un casino, de bars de nuit et à hôtesse, il y avait également fait creuser et aménager un onsen, 50 cours de tennis répartis sur tout le complexe, une piscine impressionnante et une ferme bio pour approvisionner en légumes frais le restaurant gastronomique. Dès lors, Mathieu fit une promotion agressive de son village de vacances et fit paraître des publicités dans le monde entier. Ciblant une riche clientèle étrangère et s'assurant l'appui de son ami Watanabe Tsuneo, président du groupe de presse Yomiuri, qui couvrait l'entreprise d'éloges dans chacune de ses publications. Mais le village de vacances ne marcha pas à la hauteur de ses espérances et très vite, il se retrouva en déficit et dut se servir dans ses fonds personnels pour assurer l'intendance. Quelques indélicatesses avec le fisc et une incapacité à rembourser les banques l'obligèrent à vendre Shirakawa pour une bouchée de pain. Au même moment éclatait le scandale de Lockheed, mettant en évidence les relations entre les yakuza, les politiques japonais et la CIA, faisant tomber Kodama, son principal allié et entraînant la chute du tigre. Suite à cela, les débiteurs firent la queue devant le repère de Matiyi et en 1977, quasiment ruiné, il dut vendre sa compagnie TSK et finit sa vie dans son immeuble de Roppongi. Il y mourut en 2002 à l'âge de 79 ans. Ayant acquis ce terrain de façon très douteuse et sans aucun document attestant de ses droits de propriété, ses enfants ne purent en hériter et après des années de procédures, l'ensemble fut détruit en 2008 comme pour en chasser les démons. Mis aux enchères, il fut acheté en 2011 par le groupe de banque et investissement Sumitomo qui fit construire un immeuble de bureaux de 34 étages, mettant définitivement fin à une époque. Aujourd'hui, Lorsqu'on marche le long de cet imposant immeuble, on peut y voir des affiches de la police, incitant les honnêtes citoyens à se tenir loin des Yakuza. Si vous vous êtes intéressé d'une façon ou d'une autre aux Yakuza et que vous ne vivez pas au Japon, c'est certainement que vous les avez découverts dans un film, un manga ou un jeu vidéo. Car la culture populaire et l'art en général n'ont jamais cessé de puiser dans cet univers fascinant et mystérieux tant pour effrayer que pour distraire. La notoriété mondiale de ces criminels n'aurait même sans doute jamais quitté l'archipel si la pop culture du XXe siècle n'en avait pas fait les sujets d'histoires souvent romancées et sublimées, très empreintes de la grande sympathie qu'ils ont pu inspirer à la population japonaise jusque dans les années 80, comme nous l'avons vu, souvent avec raison. C'est justement à l'époque où ces bandes avaient le vent en poupe et défendaient la veuve et l'orphelin que les premières représentations voient le jour sous le pinceau délicat des grands maîtres du Yukiho-e. Hokusai et Hiroshige évoquent les bakto et autres précurseurs des yakuza, mais c'est avec Niyashi Utagawa et sa série des 108 héros du Sukoden que l'on peut parler d'une véritable diffusion populaire et surtout d'une appropriation iconographique des yakuza trouvant dans ce roman épique et ses héros tatoués, une parfaite incarnation de ce qu'ils aspiraient à devenir. L'image que cherchaient à renvoyer les premiers Yakuza, devant d'être plus glorieuses que leurs origines véritables, ils virent dans ce récit mettant en scène une troupe de bandits au grand cœur, sorte de Robin des bois japonais, un parallèle parfait avec leurs activités en mal de respectabilité et lors des sorties de quelques éditions imprimées, Réservés aux plus fortunés, les premiers gangs organisés se réapproprièrent ce récit en s'imposant sans autre forme de recherche, comme les Suikoden contemporains, adoptant les postures, les codes supposés et les ornements de ces bandits légendaires. On retrouve d'ailleurs toujours dans les publications éditées par les gangs yakuza du 21e siècle des images de cette époque fantasmée et le récit d'une filiation directe, voire d'une inspiration rêvée. Le temps aidant à brouiller les pistes et le nombre de publications souvent légendées par les gangs eux-mêmes aidant, on ne sait plus très bien si c'est Kuniyoshi qui a influencé et codifié le style de tatouage des yakuza ou le contraire. Toujours est-il que cette ornementation corporelle qui se popularisa au 19e siècle avant d'être interdite quelques décennies plus tard n'a que très peu évolué chez les artistes tebori, tatoueurs traditionnels des gangs d'aujourd'hui. Alors, bien que communément admis comme un art majeur pratiqué par les artistes de Yukioe et largement reconnu comme une pratique culturelle et corporatiste sans ambiguïté, le commencement de l'ère Meiji à la fin du 19e siècle sonna le glas du tatouage pour tous. Désireux de s'ouvrir sur le monde occidental et de moderniser le pays, le jeune empereur supprima ou interdit petit à petit tous les symboles de la féodalité agonisante. Le tatouage en faisait partie et comme un symbole infamant d'une barbarie passée, il devint hors-la-loi. Dès lors, les Bactos, déjà rebaptisés Yakuza, durent cacher leurs signes extérieurs d'appartenance et en redéfinir les codes. Mais là où l'on aurait pu penser que cet art pourrait disparaître ou ne devenir que l'apanage des voyous nippons, c'est justement l'empereur Mehdi et sa volonté d'ouverture sur la planète qui lui permit, indirectement, d'être connu du monde entier et petit à petit d'influencer les cultures populaires de nombreux pays occidentaux. Mais je vais passer le relais à quelqu'un qui vous en parlera bien mieux que moi. À toi, Michael si j'ai accepté la proposition d'Alexandre, c'est qu'en plus du sérieux de ses recherches, j'ai trouvé un lien réel quant à nos univers respectifs. Je vais donc tenter avec mes modestes connaissances en Irezumi qui n'est pas le style de tatouage que je pratique et dont je n'ai pas encore pu apprécier toute la profondeur qui forme la quintessence de mon métier, de vous parler non pas de son histoire à l'intérieur de ses frontières, mais de l'image d'épinal qu'elle a véhiculée en Occident et plus particulièrement en France, dans le courant du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Donald Ritchie nous l'explique, il n'y a qu'au Japon que le tatouage est atteint aussi pleinement ses potentialités, et qu'il a laissé sur ce matériau si éphémère qu'est la peau humaine des empreintes d'habileté, d'abnégation, d'imagination, de patience et de beauté. Selon Kunji Masakatsu, alors je vous préviens tout de suite, ça va être dur avec mon accent de banlieusard, critique de théâtre, ces peaux de brocard doivent être considérées comme une expression picturale à part entière, une de ces fleurs qui ne donneront pas de fruits et qui s'épanouiront à l'époque, et d'autant plus belles qu'elles n'ont d'autres finalités qu'elles-mêmes, et qu'elles sont aussi éphémères que gratuites. À cette période en France, on s'intéresse peu aux tatouages. La marine voulant préserver sa flotte l'a interdit, dû au risque lié à certaines infections et maladies, et il ne reste guère que les marginaux, comme nous l'avons vu, pour en arborer une version plus primitive, mais tout de même assez codifiée. Euh, nos criminologues français et nos médecins ne se sont pas encore trop penchés sur le sujet. A l'inverse, les journalistes, alors on peut même parler d'explorateurs à cette époque, et qui ont la chance de voyager aussi loin, en reviennent souvent subjugués par la maîtrise de cet art plébéien qui, paradoxalement, devient une mode chez l'aristocratie européenne et russe. Donc là, on peut presque parler des people de l'époque. Et c'est par eux que le tatouage japonais se fait le mieux connaître. Et ce que l'on appelle au Japon le kimono du pauvre, que va interdire d'ailleurs le gouvernement nippon en 1872, mais ça, nous allons y revenir, devient une ornementation de luxe pour nos élites. Et l'exemple. Venant toujours d'en haut, le tatouage devient pendant quelques années un snobisme auquel peu d'officiers voulurent se soustraire. Des princes et même des rois passant par des villes portuaires poussent la porte de certains tatoueurs qu'on appelle orichi qui peut se traduire par maître graveur. Euh, nom qu'on utilise alors pour les graveurs sur bois, hein, qui étaient euh, à l'origine le métier des tatoueurs, et qui pratiquent un art sur papier appelé Lukiyo-i, qui peut se traduire par image du monde flottant. D'ailleurs, la coutume est restée, puisque le mot Ori, donc graveur, continue de précéder le nom de certains tatoueurs encore actuellement, comme Oriyoshi ou d'autres. De cette époque, tout un tas de gravures vont apparaître dans nos journaux français, où l'on peut apprécier la séance de ces princes, fumant la pipe, allongés sur des tatamis ou des coussins, se faisant de petits tatouages à des prix souvent exorbitants pour l'époque. Mais au Japon, c'est quand même... Le petit peuple hein, qui se fait tatouer avant tout, ce sont les postiers, les palefreniers et surtout les pompiers qui sont les plus représentés sur les photos colorisées en cette fin du 19e siècle. Les pompiers d'ailleurs étant même la figure emblématique du tatoué, bravache, bagarreur, intrépide et respecté, portant un tatouage souvent intégral, où était le plus souvent représenté un dragon, ce monstre qui crache le feu et qui vit dans l'eau. Euh, le feu qu'eux-mêmes combattent, hein, donc un espèce de tatouage talisman. Nous retrouvons également beaucoup de tatouages dans la corporation des tireurs de pouce pousse ou porteurs de palanquins, euh, pour la bonne et simple raison que ces gens-là, travaillant euh, à demi minutes, faisaient de leur corps une sorte de réclame publicitaire afin d'attirer plus de clientèle. Les marchands de poissons euh, vont donc euh, arborer des carpes et autres crustacés. Peut-être moins souvent le crabe, qui est un modèle plutôt réservé aux prostituées. Tatouage allégorique, le crabe saisit sa proie entre ses pinces et ne la lâche plus. Euh, semble avoir été une figure de prédilection des tatouages féminins dans le monde du plaisir. Les filles espérant en faire de même avec leurs clients. Mais rien ne change et quand on est un riche voyageur, on se rend chez un maître connu. Certains tatoueurs japonais sont de véritables stars qui, après avoir tatoué un roi ou un duc, ne s'occupent que des officiers supérieurs, laissant la tâche subalterne à leur apprenti de tatouer le marin de base ou l'autochtone. Sur l'île d'Inasa, où vit une très forte communauté russe, due aux échanges entre Vladivostok et Nagasaki, le marin qui veut ramener un souvenir sur sa peau doit dépenser entre une à deux piastres mexicaines, la monnaie la plus employée sur l'île. Peu après la révolution de 1868, un coup de tonnerre éclate dans le ciel bleu. Le gouvernement japonais craignant sans doute d'être mal vu aux yeux des étrangers, dont le sujet du tatouage est abordé lors du congrès des orientalistes à Paris, où sa prolifération dans l'archipel frappe l'esprit des occidentaux, les autorités de Meijing décidèrent purement et simplement de les interdire par un arrêté des bonnes mœurs. Alors interdit également de se travestir, excepté pour les acteurs de théâtre, euh, également euh, interdit les combats entre les sumo aveugles et les femmes, interdit aussi l'incinération, bref, tout ce qui pouvait sembler méprisable aux yeux de l'Europe. Et donc par une sorte d'ironie du sort, ce furent les étrangers, pendant cette prohibition, qui vont fournir une nouvelle clientèle aux maîtres tatoueurs. Vers 1877, Émile Guimet, riche industriel français et collectionneur, est immortalisé par le dessinateur et peintre Félix Régamé sur l'île de Enoshima, qui est au sud de Tokyo. On y voit Émile interrogeant des hommes de peine tout nus et qui ont le dos et la poitrine ornés de tatouages artistiques. Félix Régamé fera à cette occasion une exquise au crayon d'un homme en pleine séance de tatouage, montrant par là que cette pratique se poursuit. Malgré l'interdiction intervenue quatre ans auparavant. Et c'est l'Europe elle-même qui vint au secours du tatouage par l'intermédiaire des deux fils du prince de Galles, le duc d'York, futur Georges V, et son frère aîné, le prince. Albert Ensuite vont venir le Tsarevich de Russie, le futur Nicolas II et la Reine Olga de Grèce qui vont eux aussi passer sous les mains de ses maîtres alors même que le tatouage est interdit depuis déjà presque 20 ans ce qui va d'ailleurs susciter un énorme malaise au sein de la corporation. Philippe Ponce nous l'explique lorsque le Tsarevich Nicolas en voyage au Japon en 1891 Exprime à ses hôtes japonais son désir d'avoir comme souvenir de Nagasaki un tatouage sur le bras et que celui-ci soit réalisé par l'un des maîtres tatoueurs de la ville, dont la réputation lui était parvenue grâce à l'écrivain et officier français Pierre Loti. Il se met chez eux un vent de panique, jugé indigne d'un pays prétendant à prendre place parmi les nations modernes. Le tatouage était interdit, comme je vous l'ai dit, depuis presque 20 ans. Le précédent des deux princes anglais fut évoqué par la délégation russe et, de peur de créer un incident diplomatique, en refusant de satisfaire le désir du tsarevitch, les autorités fléchirent et deux tatoueurs montèrent à bord du navire russe pour réaliser un dragon sur son bras. Et ce vent de panique qu'ont eu les autorités de l'époque, je le comprends. D'autant plus que personnellement, il y a quelques années, accompagné de mon ami Jérôme Pierre, rédacteur en chef de Tatouage Magazine, nous avions repéré quelques jolies pièces lors de la convention de Tokyo. Et nous avions bien sûr voulu faire des photos pour notre reportage. Nous avions à partir de là décidé de les faire en extérieur afin de créer une ambiance un peu différente de ce qu'on peut voir habituellement des photos de convention. La panique. Des organisateurs, en nous voyant dans la rue avec des personnes tatouées et torse nues, fut telle que la séance fut tout de suite arrêtée et les tatoués priaient de se rhabiller illico-presto et de réintégrer le deuxième étage de l'immeuble où la convention se cachait. Mais revenons à l'époque qui nous intéresse. Si elle est interdite de couler dans la peau des Japonais, l'encre coule dans les journaux français au sujet de cette pratique qui ne finit pas d'étonner avec des personnages comme Georges Ferdinand Bigot, caricaturiste et graveur, qui va vivre au Japon pendant 17 ans. Peu connu en France, c'est au Japon qu'il passe à la postérité. L'œuvre de Bigot est aujourd'hui un des témoignages les plus précieux pour connaître les mœurs du pays du soleil levant à l'ère Meiji. Les caricatures de Bigot, reprises chaque année dans les livres de classe, sont familiers à bien des Japonais. En octobre 1884, dans « Le Petit Parisien », Jean Frollo nous explique qu'au Japon, les plongeurs se couvrent la peau de dessins effrayants car leur but est de faire peur aux poissons. Alors ça pourrait se comprendre, hein, j'attends quand même l'avis de spécialistes. D'ailleurs cette histoire d'effrayer les poissons anthropophages se retrouve souvent dans les journaux de cette époque. Euh, quant à nos marins, nous manquons de sources, hein, même si le Japon était une destination de mouillage pour la marine française. N'oublions pas que dès 1860, donc... Euh, peu de temps après l'ouverture au monde du Japon, la France et le Japon vont entretenir des relations privilégiées et ratifier un traité de paix, d'amitié et de commerce entre les deux pays qui va être donné par Duchesne de Bellecour au shogun Tokugawa Yoshinobu euh, que nous retrouvons ici d'ailleurs portant l'uniforme militaire français et tenant même le bicorne de Napoléon III. 150 ans plus tard va être inauguré le dojo Budokan appelé Miyamoto Mutsashi qui était un calligraphe. Peintre reconnu, philosophe et le plus célèbre escrimeur de l'histoire du pays. Sobudokan, dédié aux arts martiaux officiels du Japon, rassemble toutes les écoles traditionnelles de sabre et de kendo, l'ensemble des arts martiaux japonais y sont rappelés au cœur de ce Japon traditionnel. Ce budokan réalise l'unification des disciplines martiales, non seulement dans la pratique, mais aussi historiquement et culturellement. Et pour bien marquer l'amitié franco-japonaise, le toit du budokan est la représentation du bicorne de Napoléon III. L'amitié entre les deux pays est tellement forte que le shogun... Confie à la France la construction de son arsenal maritime. Napoléon III envoie alors ses ingénieurs qui dispensent le savoir-faire et la technologie française. Alors, à l'époque, a bien changé. Le shogun demande également à la France qu'une mission militaire lui soit envoyée pour moderniser et renforcer l'armée de terre qu'il dirige. L'Empire français répond à cette demande par la vente d'armement et la venue au Japon du lieutenant d'artillerie Jules Brunet qui sera plus tard appelé le dernier samouraï. Il arrive ainsi sous les ordres du capitaine Jules Chanoine pour former l'armée du shogun et instaurer une administration militaire fondée sur le modèle français. Le 11 mars 1895, le Japon, qui vient de sortir d'une éprouvante guerre moderne avec la Chine, se rappellera de cet ancien samouraï en l'élevant au grade de grand officier du trésor sacré du Mikado. Rappelons que Brunet a également reçu l'ordre du Soleil Levant. Mais beaucoup d'autres Français seront décorés de médailles prestigieuses et certains des mains même de l'empereur. Mais dès 1850, le Japon, qui vient de mettre fin à sa politique isolationniste, va rendre un énorme service à la France et plus particulièrement à la ville de Lyon, où l'élevage de verre à soie est très durement touché par la pébrine. La production française, alors à son apogée au sein des maisons soyeuses de l'industrie lyonnaise, se dégrade considérablement et durablement. Le shogun Tokugawa envoie en présent des cocons de balles de soie à Napoléon III et à partir de 1865, le commerce des graines des balles de soie entre Yokohama et Lyon se développe. Le jumelage entre les deux villes initié par le consul général du Japon Louis Michalet sous l'égide du Club Lyon-Japon fait écho à cette période. Ainsi, en 5 ans, Lyon devient la première place mondiale du commerce de la soie et en 1872, afin de répondre à la forte demande étrangère, la première filature de soie est construite à Tomioka au Japon, la France jouant un rôle de premier plan dans les exportations japonaises. C'est dans ces années-là, d'ailleurs, que la culture japonaise va commencer à exercer une influence importante sur l'Europe. L'exposition universelle de Paris en 1867 nous présente tout un ensemble d'arts japonais qui déclenche une véritable mode, que ce soit dans les arts décoratifs, dans la littérature, avec par exemple Zola, Baudelaire, ou la peinture, avec Auguste Joseph Braquemont, qui est officiellement le premier à découvrir l'art japonais en France, mais aussi Renoir. Pissarro, Monet ou même Van Gogh, aucun d'entre eux d'ailleurs ne mettra les pieds au Japon. Van Gogh, fan de Horishige et qui possédera plus de 600 pièces de gravure dans sa collection, ira jusqu'à en incorporer une dans son fameux autoportrait à l'oreille bandée. Quant à Monet, qui possède 231 œuvres, on dira de lui qu'il vit au Japon, en Normandie. Il comptera d'ailleurs dans sa collection l'estampe appelée Sous la vague au large de Kanagawa, qui est l'œuvre la plus connue de Hokusai et la première estampe de sa fameuse série des 36 vues du Mont Fuji, dans laquelle l'utilisation du bleu de Prusse renouvelle le langage de l'estampe japonaise. La composition de la vague, synthèse de l'estampe japonaise traditionnelle et de la perspective occidentale, lui valut un succès immédiat au Japon, puis en Europe. Où il fut une des sources d'inspiration des impressionnistes et même de Claude Debussy dans sa chanson La Mer. Bien sûr, cet engouement pour le Japon va se retrouver dans les catalogues de nos professionnels du tatouage européen, comme George Burchett, tatoueur londonien qui nous parle dans ses mémoires d'un tatoueur particulièrement fameux, nommé Horishio, surnommé également l'empereur du tatouage, Adnun Dietzel à Milwaukee, ou encore l'allemand Christian Warlich. Tous vont, dès le début du XXe siècle, incorporer et proposer des modèles japonais à leurs clients. Euh, inversement, euh, des tatoueurs de Yokohama se rendirent en Europe et aux États-Unis. En janvier 1899, l'un d'eux, Toyo, alors âgé de 34 ans, parlant anglais et français, raconte avoir vécu auparavant plusieurs années à Vienne, Paris, Saint-Pétersbourg et Londres et avoir tatoué des membres de l'aristocratie européenne, dont plusieurs princesses. Mais en France, malgré tous ces échanges et ces liens forts qui nous unissent, nous n'avons pour le moment rien qui rattache le Japon à nos marins tatoués. À l'inverse de ceux qui s'en reviennent de Singapour ou de Hong Kong, où les artistes tatoueurs des années 1910-1920 travaillent déjà pratiquement tous à l'électricité, grâce à leurs échanges avec les marins anglais et américains. Quant à nos bagnards, eh bien leurs bateaux se dirigent vers nos colonies d'Afrique et donc ne passent pas sous les coups du tébori, mais sous les aiguilles de leurs corée légionnaire. Alors je précise pour le profane hein, que le tébori est l'instrument traditionnel du tatoueur japonais. Il est composé d'un manche souvent fait en bambou d'une vingtaine de centimètres auquel viennent se fixer solidement des aiguilles. Donc nos marins qui restent taqués dans les ports d'Asie et qui se font tatouer à l'électricité. Au début du 20e siècle, comme Rambert, dont je vous parlerai un jour, n'arbore pas à proprement parler de tatouages made in Japan. Aucun, sauf un. Et oui, euh, j'ai eu un jour l'immense surprise, en étudiant quelques individus bien de chez nous, de découvrir un homme qui, lui, sans presque l'ombre d'un doute, était passé par le Japon. Je vous explique. Yotoko est un personnage connu dans la mythologie japonaise. Aujourd'hui, on le voit passer tous les jours sur les réseaux sociaux, tatoué de toutes les façons possibles. L'origine du nom vient de hi, qui veut dire feu, et otoko, qui veut dire homme, car le personnage souffle le feu grâce à une pipe. Les dialectes locaux ont transformé le nom en yotoko. Dans la préfecture d'Iwate, il existe un mythe à propos de l'origine de yotoko. Un garçon avec le visage étrange pouvait créer de l'or à partir de son nombril, Lorsqu'une personne de la maison mourait, le masque représentant ce garçon était placé au-dessus de la cheminée afin d'attirer le bon sort. Et à partir de cette légende de notre marin français, le seul connu pour moi à ce jour porte un Yotoko. Et alors, suprême raffinement, va le placer exactement là où il faut, donc il savait, en lui mettant la bouche au niveau du nombril. Un exemple unique que je suis vraiment ravi de vous faire partager aujourd'hui, puisque cette photo n'a, à ma connaissance, jamais été dévoilée. Autre photo du 19e siècle que j'aimerais vous faire découvrir, il s'agit d'une plaque de verre que j'ai pu acquérir il y a une dizaine d'années et qui nous montre le béto d'un Français, alors peut-être son palefrenier. Il écrit d'ailleurs sur la plaque Mon béto en déshabillé. Il faudra attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour trouver un peu de nouveautés dans les journaux et les magazines français. Si la chose ne choque plus vraiment, elle continue néanmoins d'intéresser nos journalistes. Alors là, on, maintenant, on peut parler de journalistes. Début des années 50, les premiers salons de tatouage arrivent aux environs des principales bases militaires de Yokosuka, près de Tokyo et dans l'archipel d'Okinawa. Les militaires américains découvrirent un tatouage autrement plus sophistiqué que ce qu'ils arboraient habituellement et qui était souvent de simples flashs, hein. qualifié d'ailleurs avec dédain par les japonais de sushi abori, euh, donc gravure de marchands de sushi en raison <laughs> de leur manque de sophistication. Euh, le magazine Science et Vie euh, de janvier 1956 va s'intéresser, lui, au docteur Fukuchi. Cet homme de 65 ans, décrit comme le plus grand expert mondial en matière de tatouage, achète leur peau aux ouvriers nécessiteux et caresse amoureusement une loupe à la main, celle des gangsters qui tapissent alors son boudoir. S'il croise dans la rue, dans le tramway ou sur la plage un tatouage encore vivant, son œil s'allume. Et il suppute alors ses chances de l'acquérir. Le journaliste nous explique que 30 ans de recherche, de ruse orientale et de patience lui ont permis de réunir une collection unique au monde. On parle de plus d'une centaine de peaux. Son fils, docteur comme son père, que je vous montre en photo, prendra la relève. D'ailleurs, la peau du corps qu'il tient entre ses mains est celle d'un des tatoués pris en photo dans les bains publics avec son père, une trentaine d'années auparavant. Plusieurs magazines vont parler de cette étrange collection, comme le très célèbre reportage paru en 1958 dans le magazine Tout Savoir, où pour l'occasion le docteur Fukushi va côtoyer Richardo, dont je vous parlerai très bientôt. 1962, le livre magnifique du Suisse Jean Graven, L'argot et le tatouage des criminels, met à l'honneur le tatouage japonais avec en couverture du livre une dépôt de Fukuchi et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de celle d'un des plus célèbres gangsters de Tokyo. Dans les années 60, des contacts se tissent entre des tatoueurs japonais et leurs homologues américains, tels que Sailor Jerry, qui je pense a été vraiment le premier, puis dans les années 70, Ed Hardy, qui se rend pour la première fois au Japon en 1973, et qui va lui aussi être un des premiers à réellement fusionner ces deux styles. En France, les premiers de salons s'ouvrent et le tatouage commence à faire doucement partie du quotidien. Les tatoueurs dans ces années-là vont reprendre certains dessins mais qui sont souvent issus de planches américaines, dont celle de Sailor Jerry et ils vont reproduire sur leurs clients des modèles dont ils ignorent totalement le sens à l'image plus tard des tatouages polynésiens. Dans les années 80, les conventions de tatouage aux états Unis vont commencer à inviter des maîtres tatoueurs, dont le plus talentueux de tous, Oriyoshi 2, le maître incontesté de la discipline, et qui va travailler toute sa vie dans son atelier d'une largeur de 3 tatamis, c'est-à-dire à peine 5 mètres carrés. Je tiens à préciser également que Oriyoshi 2 n'était pas tatoué, ce qui n'était pas commun. En France, dans les journaux, on parle surtout des yakuza quand il s'agit de tatouage, mais les années 80 vont également connaître de nouveaux talents avec l'arrivée du Suisse Philippe Leu qui va totalement réinventer le style en fusionnant le tatouage traditionnel japonais et une approche contemporaine et occidentale de ce style, ce qui va amener à une révolution et jusqu'à la façon même de penser le tatouage. Voilà pour cette émission qui n'était pas prévue mais que j'ai accepté d'écrire à la demande d'Alexandre. J'espère vous avoir donné l'envie d'en savoir un peu plus. Excusez-moi d'avance si je ne suis pas rentré suffisamment dans les détails, mais 20 émissions ne suffiraient pas à une étude sérieuse d'un sujet aussi passionnant. Merci beaucoup Michael. Je vous invite à découvrir le travail incroyable de ce génie grand-ancien du tatouage à la française et d'aller vous abonner à sa chaîne, qui est un petit bijou d'histoire du tatouage, mais pas seulement. Alors cette représentation du Yakuza tatoué en costume ringard est trop grand pour lui, le regard brumeux dissimulé derrière des Reban bling bling et la clope au bec, est-ce que par le plus grand des hasards vous ne l'auriez pas trouvé dans l'un des innombrables mangas à avoir traité du sujet Car oui S'il est bien un médium qui véhicule les clichés sans vergogne, exploite la fibre héroïque supposée et sublime le yakuza pour en faire un héros presque shakespearien, c'est bien celui-là. Comme vous le savez sans doute, j'ai été éditeur de manga pendant de nombreuses années et eu l'occasion de lire ou de parcourir des milliers de titres pour y choisir mes poulains ou redécouvrir des trésors du passé. Mais s'il est un genre qui regorge de récits épiques et délirants, réalistes ou totalement loufoques, c'est bien celui du manga de Yakuza. Nous passerons sur les origines et la représentation de Bakuto et de Tekiya de Hokusai dans ces proto-mangas pour nous intéresser à la représentation et à la construction des yakuza dans l'imaginaire populaire, tels qu'ils ont pu être, et le sont toujours, dans les pages de quelques titres représentatifs et majeurs de cette influence. Et s'il est une série, courte certes, mais avec une influence majeure sur les productions à venir dans les années 80, c'est bien Otokogi de Matomiya Hiroshi, publié en 1979 dans la revue Big Comic Spirits chez Shogakukan, puis regroupé en six volumes. Cette série au style très identifiable et typique des années 70 nous plonge dans le monde des Yakuza à l'ancienne, celle des grandes familles, des collusions avec le pouvoir et des apparences. L'on y suit la vie de Kyosuke, l'héritier caché du gang Murata Gumi, gang imaginaire mais très près dans sa hiérarchie et ses pratiques du Yamaguchi Gomi, né de la relation interdite entre un Oyabun, Murata Shozo et la riche héritière d'une grande compagnie d'électronique, Kamiya Shizuko. Élève dur et violent, il se retrouvera en maison de redressement à 16 ans, protégé en sous-main par le gang et, à sa sortie, apprenant la mort de ses parents de la main d'un gang adverse, montra les échelons de la hiérarchie jusqu'à reprendre les rênes du gang qui porte son nom et entamer son processus de vengeance. C'est, je le pense, manga qui a posé les bases du récit moderne tel qu'on le trouve dans les œuvres plus récentes. Assez proche du Revenge Movie dans sa base narrative et sa construction, il a influencé bon nombre de mangakas contemporains, mais avant tout, il est un vecteur d'informations solides sur la vie d'une famille Yakuza et de sa descendance. Les six volumes sont truffés de références à l'actualité et à la collusion entre les gangs, les politiques et le monde de l'industrie. Il constitue, toujours selon moi, un basique essentiel pour qui veut plonger dans l'univers du Yakuza manga. Enfin, il partage la vedette, à mes yeux, avec le recordman du genre, un manga qui a su traverser 25 années de parution, 108 volumes vendus à 45 millions d'exemplaires, 3 films et une série télé, un classique parmi les classiques, une référence même, Shizukanaru-dan de Nitta Tetsuo, paru chez Jitsugiyo no Nihonsha. Aussi appelé Yakuza Side Story, ce manga incroyable, qui a connu une évolution graphique étonnante, lorgne plus du côté de la sitcom que du récit coup de poing, mais plante un décor tout à fait crédible et réaliste du monde du syndicat du crime à travers les trois décennies qu'il traverse. Il nous narre l'histoire de Kondo Shizuya, un salariman tout à fait banal qui passe ses journées à dessiner et concevoir des sous-vêtements. Eh oui, et qui, à la nuit tombée, devient oyabun du plus gros gang du pays. Bien que présenté sous forme souvent humoristique, ce manga Fleuve est une mine d'informations sur la descendance et la responsabilité que portent les enfants nés dans le monde du crime. Kondo est un fils d'oyabun puissant qui a grandi dans ce monde de violence et a décidé de s'en éloigner pour entrer dans une vie, peut-être plus terne, mais aussi plus honnête. C'est la fidélité au sang et à la lignée qui le poussera à reprendre la tête du gang après l'assassinat de son père par un clan adverse. Ce titre et sa longévité sont très instructifs quant à l'évolution de la perception du monde des yakuza entre les années 80 et les années 2010. On y traverse aussi bien le monde de l'entreprise, ses mesquineries et ses petits chefs lorsque Kondo est au travail, que les baraotes, les casinos, les soirées paillettes et les fusillades à l'aube lorsqu'il revêt son costume de gangster. Cette comédie dramatique, qui, à ma connaissance, ne connaît pas de traduction à l'étranger, a considérablement influencé les séries humoristiques basées sur les Yakuza un peu lunaires, qui connaîtront leurs heures de gloire dans les années 2000. Malheureusement, presque inconnue en dehors de l'archipel, Shizuka Narudan reste la série fondatrice de tout un courant. Et en parlant de cette vague de titres humoristiques voguant dans l'univers du crime, je voulais citer une série assez récente et assez représentative de ce qu'a pu être ce changement de logiciel vis-à-vis -vis des gangs. gokushufudō Fudo de Ono Kosuke, traduit en français par La Voix du Tablier, est paru en 2018 chez Shinchosha et raconte l'histoire de Tatsu, un yakuza sans pitié et indestructible surnommé l'Immortel, craint et respecté dans le milieu et qui décide, par amour pour sa jeune épouse Miku, de tout plaquer pour devenir homme au foyer. Aussi appliqué à flinguer qu'à cuisiner pour sa moitié, il va devenir un homme de maison accompli et tenter de faire table rase du passé. Franchement pas un chef-d'œuvre, mais assez agréable à lire en pensant à autre chose, ce titre pose cependant un repère sociétal important et intéressant. Les mangas que j'ai cités avant celui là même dans une certaine forme d'humour, sublimait la virilité dominatrice du gangster, sa noirceur, son courage à toute épreuve qui ne s'accomplissait que dans la vengeance, la mort et la souffrance. Dans Gogs of no, même si le héros garde son côté bad boy, le message est tout autre et nous renvoie à ce changement de paradigme d'une société japonaise qui, elle aussi, Tourne le dos à ses vieilles valeurs traditionnelles et ancestrales pour se tourner vers cette société nouvelle, dans laquelle le courage d'un homme se mesure plus à sa capacité à s'occuper des siens, même dans les tâches du quotidien, que d'aller massacrer à tour de bras pour l'honneur d'un clan ou d'un idéal. Mais certains titres récents ont choisi la voie sociale et s'éloignent des clichés du mafieux flamboyant pour nous exposer une réalité brute et sans pitié, celle des japonais laissés sur le bas-côté par la société de l'ultra-consommation et du paraître. C'est ce que nous expose avec brio le manga Yamiki no Shijima-kun de Manabe Shohei, en français « Sizima, l'usurier de l'ombre », paru chez Shogokan de 2004 à 2019. Ce manga en 46 volumes nous emmène dans le Tokyo d'aujourd'hui au travers du jeune Uchijima, un Yamikin, c'est-à-dire un prêteur usurier, qui va nous faire voyager à travers les couches de la population les plus touchées par les difficultés financières. Par ces histoires du quotidien, souvent très tristes et agaçantes, car on y voit des gens déjà dans la précarité s'endetter encore plus pour satisfaire au paraître ou à une addiction encouragée par les gangs et leurs pièges manipulateurs, l'auteur nous immerge de façon, croyez-moi, extrêmement réaliste dans ce Japon des oubliés, des anonymes, qui n'a d'autre choix que de mettre sa sécurité en danger pour survivre ou maintenir les apparences à flot. Ainsi, ces jeunes femmes, employées de bureau et au salaire minimum, qui viennent emprunter de fortes sommes pour se payer des accessoires de grande marque ou jouer au patinko, laissant leur papier d'identité ou leur permis de conduire en gage et qui devront payer 50 d'intérêt en une semaine, sachant qu'elles ne le pourront pas, devront prendre un autre emprunt pour couvrir celui-là et mettre leur famille en danger. Car s'il est un adage qui colle à la réalité de ce sinistre métier, c'est que toute dette doit être remboursée et que les moyens de coercition ne manquent pas. Ce titre de Manabe Shohei est, à mon goût, un des titres les plus intéressants de ces dix dernières années, tant il colle à une triste réalité sociale que tout un chacun qui vit ou a vécu quelque temps au Japon peut constater. Les classes moyennes s'endettent et sont de plus en plus exclues du système bancaire traditionnel. Ce manga nous montre avec justesse ce recours fou que constitue l'appel au yakuza pour pallier aux dépenses du quotidien, ou même, plus triste encore, à des addictions mortifères dont le paraître et l'illusion de réussite font partie. Voilà qui constitue, je le pense, une bonne base de découverte à qui voudrait avoir une idée de la place des yakuza dans le paysage de l'édition manga de ces 40 dernières années. Mais il va sans dire que bien d'autres artistes, plus populaires sans doute que ceux que j'ai sélectionnés, ont dépeint leur réalité de ce monde du crime réel ou fantasmé. Ikegami Ryoichi, Nagate Yuka, Osawa Shuntaro, les auteurs ne manquent pas et vous trouverez toujours un titre accrocheur pour vous faire entrer dans cet univers. Mais avant de passer à un autre sujet, je voudrais vous parler d'un dernier titre. Un alien du genre, mais qui fut une découverte intéressante et surprenante. Le tome 1 traînait sur mes piles de livres depuis plus de 5 ans, et je dois dire que j'avais renoncé à tort à y mettre le nez. Cet objet insolite, c'est Zetsubo no Hanto de Sakurai Toshifumi, Lady Boy vs. Yakuza en français. Ce manga improbable nous narre les démoires de Kamashima Kozo, un jeune yakuza plein d'ambition qui va commettre la fatale erreur de coucher avec la fille de son Oyabun, premier faux pas, mais aussi avec la femme de ce dernier, le condamnant ainsi à une mort atroce si le parrain venait à l'apprendre. Bien entendu, il va l'apprendre, et le condamner non pas à la peine capitale, mais à quelque chose de bien plus tordu et surréaliste. Anesthésié de force, il sera confié aux bons soins d'un chirurgien, débarrassé de ses attributs et transformé en une créature aux atours plus que généreux. Puis, pour éprouver sa foi en l'humain, débarqué sur une île où son parquet sans Yakuzas pervers est prêt à toutes les bassesses pour assouvir leurs plus bas instincts. Forcé à l'abstinence depuis des années et vivant en permanence en slip, la chasse au Ladyboy peut commencer et donner lieu aux situations les plus ahurissantes, extrêmes, drôles et totalement absurdes. Totalement déjanté, mais avec un fond pas si loufoque que ça, je me permets de préciser que ce titre n'existe que pour passer un moment étonnant et qu'il ne vous apprendra rien de plus sur les Yakuza. Bien entendu, la plupart de ces mangas ont fait l'objet d'adaptations en animé, en séries télé ou en films de cinéma. Certains, comme Shizuka Naredan, ont même connu un certain succès en salle et fait l'objet d'une réalisation soignée. Mais malgré tout le soin apporté à la production, ils ne font que mettre en mouvement des histoires populaires déjà éprouvées dans les pages des magazines et auprès d'un jeune public. Et c'est sans doute ce qui les démarquera d'un autre médium lui aussi très empreint de culture yakuza et qui en fera même le symbole de cette culture populaire, le cinéma. Mais je vais laisser quelqu'un de beaucoup plus compétent que moi vous en parler. Az, je te passe le relais. Bonsoir ami de l'horreur et c'est un plaisir et un honneur pour moi que de vous retrouver sur la chaîne ô combien qualitative de ce cher Satsujin. Certains d'entre vous me connaissent peut-être grâce à mon amour pour le cinéma d'horreur, mais ce que beaucoup moins de gens savent, c'est que je suis un très grand amateur de Yakuza Eiga. Je me suis donc empressé d'accepter l'invitation d'Alexandre pour vous en parler. Merci encore d'ailleurs. Bon, tout d'abord, petit disclaimer. Les films de Yakuza, ça représente un pan très vaste du cinéma japonais, qui s'étend sur de nombreuses décennies et de multiples genres. Je n'ai pas la prétention de vous livrer ici une liste exhaustive de films à voir, ou une analyse complète de ce cinéma si cher à mon cœur. Il faudrait une vidéo de plusieurs heures pour cela. Voyez plutôt mon passage dans cette vidéo comme une introduction au sujet, et bien sûr, je vais mettre en avant mes films de cœur, et les figures que je connais le mieux avant tout. Maintenant que le ton est donné, c'est parti. Je vais vous parler des Yakuza. Au cinéma. De façon générale, le gangster est une figure très importante du cinéma, et ce, peu importe le pays anti-héros ou antagonistes, figures romantiques, tragiques ou malfaisantes, ces personnages permettent autant de mettre en avant des problématiques sociétales ou politiques des pays dans lesquels ils évoluent que créer des méchants cruels provocateurs de scènes d'action aussi violentes qu'explosives selon les intentions du film. Et chaque pays possède ses propres types de gangsters aux codes cinématographiques différents les uns des autres, bien qu'ils partagent souvent de nombreuses similitudes. Et si le Yakuza est si intéressant, c'est parce qu'il est probablement l'une des figures de hors-la-loi les plus codifiées et influentes du film de gangsters. Pour autant, tous les yakuza du cinéma sont loin d'être identiques. Il existe plusieurs mouvances qui utilisent toutes ces figures cinématographiques chacune à sa façon et qui ont toutes connu un âge d'or lors de périodes bien précises. Par Exemple, nous pouvons parler du cinéma muet japonais qui, très tôt, nous a livré de nombreuses histoires mettant en scène des bakuto, précurseurs des yakuza modernes, et nous les présentait le plus souvent comme des espèces de robins des bois, des criminels loyaux et au grand cœur, forcés de vivre comme des hors-la-loi, mais n'aspirant en réalité qu'à la paix, qui usaient de la violence uniquement pour protéger la veuve et l'orphelin. Ces films s'inspiraient parfois de personnages ayant réellement existé, comme le célèbre Kunisada Shuji, qui, bien qu'étant un bakuto, était réputé pour sa bonté et sa volonté de secourir les démunis. Je ne vais pas m'étendre sur ces films que je connais finalement assez peu et qui ne présentent en définitive pas de vrai yakuza, mais force est de constater que le Robin des Bois est bien une forme habituelle du gangster au cinéma lorsque l'on veut en faire un héros positif, sans peur et sans reproche. Nombreux sont les films occidentaux à avoir fait de même et c'est un fameux lissage par rapport à la réalité. Même si certaines véritables figures du banditisme sont parfois encore vues comme telles aujourd'hui, il y a qu'à voir la façon dont certains présentent Pablo Escobar par exemple. Mais que ce soit dans la réalité ou dans les films, il s'agit bien souvent d'une très simpliste de décrire les personnages de gangsters, beaucoup trop idéalisés et trop peu nuancés. Mais bien sûr, les yakuza furent employés de façon bien différente par la suite. Dans les années 50 et 60, deux grosses compagnies furent à l'origine de deux des courants majeurs du film de yakuza, qui redevint populaire après la fin de l'occupation américaine. Pendant la guerre et l'occupation, le cinéma fut étroitement contrôlé et les yakuza et autres bakuto disparurent quelques années des écrans. Ainsi, la légendaire Nikatsu s'inspira largement des films de gangsters populaires américains pour créer ce qu'on appelle Aujourd'hui, la Mukokuseki Action ou Borderless Action, ce qui a donné des sagas comme le Kenju Buraicho ou les watari dori et ont mis en avant de futures grandes stars et visages du film de Yakuza, à l'image de jo Chichido, reconnaissable à ses pommettes transformées par la chirurgie esthétique et surtout à ses 300 rôles et plus dans des longs métrages. Et comment ne pas citer le disparu trop tôt Keiichiro Akagi, véritable égérie de la Nikatsu, décédé à 21 ans après seulement 3 ans d'une carrière qui s'annonçait prospère dans un accident de voiture que beaucoup ont considéré comme étrange durant des années. Hmm, cette bonne odeur de théorie du complot. Bizarrement, on en retrouve toujours quelques-unes quand on fouine du côté de la fiction de Yakuza. Ou quand la réalité rattrape la fiction. La deuxième grosse compagnie à avoir provoqué la popularité du film de Yakuza fut bien sûr la Toei et les célèbres Ninkyo Eiga ou films de chevaliers. Contrairement à leur nom, ces films mettent bien en scène des Yakuza. Mais une nouvelle fois, ceux-ci sont très idéalisés et sont généralement présentés comme des personnages braves et honorables, déchirés entre la voix du Giri et donc de leur devoir et celle du Ninio, représentant leurs propres sentiments et aspirations. Devoir trouver l'équilibre entre ce qui est juste et ce qu'ils doivent faire est souvent l'un des enjeux majeurs de leurs aventures, qui les mettent moralement à l'épreuve mais au bout desquels ils en ressortent quasiment toujours comme vertueux. Souvent, ces films se déroulent durant les ères Meiji et Taisho, soit globalement fin des années 1800 et début des années 1900, et ils ont contribué à populariser certaines des plus immenses stars du film de Yakuza, comme Koji Tsuruta, symbole de ces chevaliers gangsters, et surtout le gigantesque Ken Takakura, l'un des acteurs japonais les plus récompensés par la critique de l'histoire et qui aura honoré la Toei de sa présence pour pas moins de 180 films, devenant un véritable pilier du film de Yakuza. On peut aussi citer la légendaire actrice Yonko Fuji, devenue populaire avec la saga des Ibotan Bakuto, et qui sera en plus l'une des pionnières du sous-genre des femmes yakuza, une autre énorme vague de films qui sera bien maîtrisée par la Toei. D'ailleurs, le père de Yonko Fuji n'était autre que l'un des principaux producteurs de ses Ninkyo Eiga pour la Toei. Koji Shundo, et celui-ci était connu pour être très proche de véritables yakuza, à tel point qu'il était soupçonné d'en avoir lui-même été un, ce qu'il a toujours nié. Peut-être était-ce là l'une des raisons pour lesquelles il les présentait autant comme des personnages plutôt positifs, en tout cas en ce qui concernait ses héros car aussi bien les Ninkyo Eiga de la Toei que les Mukokuseki Action de la Nikatsu mettaient plutôt en scène à l'époque des Yakuza et autres bandits braves et sympathiques en personnages principaux qui affrontaient le plus souvent un pouvoir corrompu ou des gangsters rivaux dénués de toute morale. Ils étaient prêts à donner leur vie pour sauver leur boss entre autres. On mettait avant tout en avant leur honneur et leur sens du devoir, des valeurs considérées comme très positives et qui parlaient beaucoup aux jeunes hommes des classes sociales basses et moyennes, qui voyaient d'un bon œil ces bandes de yakuza qui se serraient les coudes et se battaient contre un destin peu envieux et imposé par une société trop rigide, à laquelle eux-mêmes n'avaient pas su échapper. Le fait que ces hors-la-loi étaient prêts à prendre les armes pour défendre leurs valeurs était plus vu comme de l'héroïsme que comme de véritables actes frauduleux, et c'était bien sûr grandement dû au romantisme de ces films. Et pour comprendre la popularité de ces yakuza romantiques et héroïques, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La défaite japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale, puis l'occupation américaine furent vues comme de véritables humiliations par la société japonaise et provoquèrent des périodes durant lesquelles le gouvernement fut fortement critiqué. En ces temps difficiles, les Yakuza aidèrent énormément de citoyens, notamment via le marché noir qui permit à de nombreux Japonais de pouvoir continuer à nourrir leur famille alors que la famine régnait dans le pays. Et ils participèrent également à la reconstruction du pays, main dans la main avec les autorités. Qu'on soit bien clair, pour de très nombreux Japonais, les Yakuza de cette période étaient de véritables le second point pour compléter ce contexte est que s'il y a une figure moderne qui appartient bien à 100% au cinéma japonais, c'est celle du yakuza. Leur code d'honneur hérité entre autres des samouraïs, leurs apparences, leur patriotisme à toute épreuve, voire leur haine de l'Occident en font à l'époque une quasi-fierté pour le citoyen nippon, bien plus que le gouvernement, encore une fois. Toutes ces raisons ont causé une idéalisation plus ou moins générale des yakuza, occultant bien souvent, ou plutôt faisant fermer les yeux sur leurs multiples activités criminelles, souvent bien moins héroïques que celles cité précédemment. Mais bien sûr, ces tâches d'or cinématographiques pour l'admirable Yakuza, le gangster romantique qui force l'admiration du citoyen qui représente même en quelque sorte le japonais typique avec son code hérité des samouraïs, un résistant en opposition à un occident souvent diabolisé, devait prendre fin tôt ou tard à mesure que la défaite historique à la seconde guerre mondiale s'éloignait et que les actes des Yakuza horrifiaient de plus en plus la population via les médias. Et cela donnera une nouvelle vague de films qui est, je dois bien vous le confier, probablement ma préférée de toutes et ce à cause quasiment d'un seul homme, Kinji Fukasaku. Mais laissez-moi vous expliquer tout cela. Cette vague, qui commencera après la retraite de Yunko Fuji au début des années 70 et qui marquera la fin définitive des Ninkyo Eiga, se nommera « Jitsuroku Eiga », que l'on peut comprendre comme « Histoire réaliste ». Et oui, vous l'aurez compris, ces films se veulent, au contraire des précédents, beaucoup plus proches de la réalité. Le Yakuza d'après-guerre y fait son apparition, beaucoup moins semblable aux samouraï car il troque son code d'honneur contre d'authentiques valeurs de bandits telles que l'avidité, la brutalité, la grossièreté, la manipulation et j'en passe. Oui, ici, bien souvent, le yakza ne cherche que son propre profit et n'hésite pas à trahir son prochain. Les policiers également y prennent pour leur grade, bien souvent corrompus et proches de la pègre. Et on assiste en général à des conflits entre différentes familles, yakuza contre yakuza, qui se terminent dans le sang et une violence rarement atteinte par les longs métrages des précédentes vagues. Ces films se veulent réalistes jusque dans leur forme, parfois presque proche de celle de documentaire, la plupart du temps filmés caméra à l'épaule, au cœur de l'action, et sont souvent adaptés de véritables histoires. Et le maître du Jitsuroku Eiga est sans contestation possible l'immense. Kinji Fukasaku, surtout connu par le jeune public pour son chef-d'oeuvre Battle Royale, mais qui pourtant s'est fait la main sur des dizaines de films de Yakuza et est cité comme inspiration majeure de bon nombre de cinéastes, a commencé par un certain Quentin Tarantino, chez qui on peut retrouver pas mal d'hommages au film de Fukasaku. Par hommage, on peut également entendre Emprunt mais je vais éviter d'être mauvaise langue. Puis, ce n'est pas parce que les yakuza de Fukasaku ne sont plus idéalisés qu'ils deviennent caricaturés en méchants à l'excès non plus. En général, ces personnages sont des criminels aguerris, violents, brutaux, grossiers, avides et impitoyables, c'est sûr. Mais ce sont aussi souvent des gens peu cultivés, des marginaux issus d'une dure réalité, qu'elle soit économique ou sociale, des mecs paumés rejetés par la société japonaise qui n'est pas reconnue pour apprécier ou encourager ceux qui s'éloignent des sentiers battus, qui cherchent un moyen de faire leur beurre le plus rapidement possible. Souvent, ils sont Manipulés par des Oyabun ou des Komicho qui utilisent littéralement le principe du bâton et de la carotte pour contrôler leurs troupes. Le Yakza qui fait bien son travail et obéit correctement aux ordres se verra généreusement récompensé celui qui, au contraire, n'en fait qu'à sa tête sera sévèrement puni, voire même. Exécuté. Le manque de morale de ces soldats de la rue vient en partie de là. Ils deviennent Yakuza à cause de la l'appât du gain, dans l'idée de s'enrichir rapidement, eux qui n'ont souvent pas fait d'études et ne disposent pas de qualifications particulières. Enfin soit, les vidéos de Satsujin à ce sujet expliquent les motivations des soldats Yakuza bien mieux que je ne saurais le faire en quelques lignes. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que les Jitsuroku EIGA ne cherchent pas à enjoliver ou assombrir le tableau, mais bien à le reproduire de façon fidèle autant que possible. Pour autant, les films de Fukasaku vous réserveront leur lot de scènes d'action dantesque, mais malgré cela, ces films à l'image de ces personnages sont profondément humains. Il n'est pas rare que ces plans soient uniquement composés d'une foule de policiers, de bandits ou même de Kidam, qui se bousculent les uns les autres, qui grouillent de tous les côtés à l'écran. L'effet qui en résulte est une sorte de chaos furieux, une belle représentation de cette atmosphère d'après-guerre qui a vu le Japon considérablement grandir économiquement parlant, provoquant un essor qui a évidemment une grande responsabilité dans la montée de la criminalité et dans la croissance de certains clans yakuza. Encore une fois, pour de nombreux jeunes hommes laissés sur le carreau par ces changements rapides, devenir yakuza semblait être la voie du salut. Le traitement violent réservé aux femmes par les yakuza est également une caractéristique commune des films de Fukasaku, et pour cause, le milieu du banditisme japonais était effectivement très cruel avec elles. Pour ces bandits, les femmes sont juste un apparat, une marchandise ou une monnaie d'échange. Souvent, on les voit entrer en conflit avec leurs propres épouses, qu'ils trompent allègrement avec des travailleuses du sexe ou des filles perdues, attirées par leur puissance ou leur confiance en eux. D'une façon générale, ils ont ce comportement parce qu'ils estiment que tout leur est dû, que personne ne peut rien leur refuser, que leur statut de Yakuza leur octroie tous les droits. Ils prennent ce qu'ils veulent prendre, agissent comme bon leur semble. Les femmes sont en général les personnages qui en pâtissent le plus dans ce genre de production. L'un des visages les plus connus de cette nouvelle vague plus réaliste est sans conteste le mythique et regretté Bunta Sugawara, qui apparaît dans l'extrême majorité des films de Yakuza de Fukasaku, pour notre plus grand plaisir. Mais il serait malheureux que je ne cite pas l'extraordinaire Sonichiba et ses froncements de sourcils aussi légendaires que ses coups de tatan lui qui a tabassé plus d'un Yakuza. Enfin soit, vous l'aurez compris, dans ces films, le Yakuza n'est du tout romantique et on assiste plus à des enchaînements d'événements sordides, aux conséquences les plus noires de l'après-guerre et de la reconstruction puis croissance du Japon. Les personnages principaux de ces films sont des anti-héros qui, bien souvent, meurent à la fin du film, tel Tony Montana dans Scarface, car l'un des messages principaux est être gangster, ça n'est pas glamour, ça n'est pas fun, ça n'est pas facile et ça n'est pas cool mais comme pour tony montana, c'est plus ou moins l'effet inverse qui en résulta. ces yaksas, violents mais toujours stylés, incarnés par les plus grandes stars du cinéma de l'époque et donc mis en valeur à travers cette violence, n'auront jamais été aussi populaires qu'à cette époque et furent encore plus glorifiés. leur côté humain, avec les failles que cela sous-entendait, était en fin de compte leur plus grande force et beaucoup de spectateurs s'identifièrent à ces hommes puissants, braves, qui se battaient pour leurs idées et pour réussir dans la vie. l'après-guerre était encore dans toutes les têtes, également permettant aux yaksas de continuer d'être Respecté et même craint. Deux caractéristiques que beaucoup leur enviaient sans forcément oser l'avouer. Les années 80 sonnèrent le déclin de plusieurs décennies de cinéma fast pour les Yakuza. Leur popularité déclina et ils désertèrent quasiment les écrans, à peine représentés par quelques exceptions ici et là, telles que la série des Kokudo no Onatashi, basée sur de véritables interviews et récits de femmes de Yakuza et qui reposait presque entièrement sur les épaules de l'actrice Shima Iwashita. Ces œuvres avaient pour elles d'avoir de véritables personnages féminins qui avaient un impact sur l'histoire et n'étaient plus uniquement victimes des agissements des hommes. Mais à partir de 1990, le film de Yakuza revient sur le devant de la scène de façon plutôt Inattendu. Avec l'expansion de lecteurs vidéo dans les foyers japonais, un nouveau marché fut créé, celui du vie cinéma, comme il est appelé au Japon, à savoir le marché vidéo. Et c'est dans ce contexte que le Gokudo apparut. Ce terme représente une nouvelle mouvance du film de Yakuza à faible budget, souvent extrêmement violent et aux images sexuelles explicites, qui passe allègrement d'un genre à l'autre en flirtant avec l'horreur, le fantastique ou encore la science-fiction à de multiples reprises. De nombreux réalisateurs que vous connaissez ont œuvré via le Gokudo, au début de leur carrière ou en sortant d'expériences dans le Pinkumo. Rokuro Mochizuki, Shinji Aoyama, Kiyoshi Kurosawa ou encore Ryuhei Kitamura nous ont chacun livré quelques perles du genre. Mais bien sûr, le grand maître du Gokudo, vous le connaissez tous. Vous avez certainement son nom sur le bout de la langue. L'un de mes cinéastes préférés, réputé pour sa folie et la violence de ses œuvres. Oui, vous l'avez. Takashi Miike en personne. Difficile de résumer les yakuza de Miike en quelques mots, tant le bonhomme est productif et adore les films de yakuza. Comme il le disait lui-même en interview, selon lui, le film de yakuza n'est pas un genre en tant que tel, et il utilise ses personnages pour distiller toute une palette d'émotions diverses et variées. La peur, la tristesse, le rire, la colère, le choc, etc. Mais si on devait tout de même tirer quelques enseignements de ces films, on peut les détacher en deux catégories distinctes. Les yakuza réalistes et les yakuza fantasques. Miike nous a donné les deux. Et si ces yakuza réalistes semblent dans la lignée des films de Fukasa, Saku, mais avec son propre style, forcément, ces yakuza fantasques, eux, sont parmi les plus excentriques vus au cinéma, et semblent souvent sortir tout droit de manga. Et c'est d'ailleurs parfois le cas, vu que Miike a adapté plusieurs mangas en film live. Mais Miike aime profondément ces héros yakuza, et ceux-ci sont souvent des personnages positifs qui suivent ce fameux code de l'honneur dans la lignée de celui des samouraïs. Les clichés liés aux yakuza, à savoir les doigts coupés, le seppuku, les intonations intimidantes, le look parfois excentrique et bling bling, les guerres entre clans, etc., Miike les emploie, les détourne, les amplifie s'amuse avec comme le grand amateur de Yakuza Eiga qu'il est. Et cela donne des longs métrages tous différents les uns des autres, rappelant que si deux protagonistes peuvent partager leurs conditions de Yakuza, ça n'en fait pas de personnages identiques pour autant. Et en cela, Miike respecte énormément ces gangsters et ne les réduit pas à cette condition-là, ce qui les rend beaucoup plus intéressants qu'on ne pourrait le croire au premier abord. Le Gokudo existe encore aujourd'hui même s'il a évolué vu que le marché vidéo est de plus en plus puissant surtout si l'on prend en compte les plateformes de la VOD. Et avec le temps le Gokudo s'est répandu pour même apparaître sur grand écran, ce qui est assez logique vu le succès qu'il a remporté. Et de ce fait, de nombreux autres réalisateurs ont touché au yakuza, parfois de façon aussi excentrique que ce bon vieux Miike. Je suis obligé de parler des Sushi Typhoon et autres productions similaires, ces films dérivés du gokudo qui lorgnent dangereusement du côté du fantastique et de l'horreur, au budget très limité et aux nombreuses séquences exagérément gore et pseudo-érotiques. Souvent, ces productions mettent en scène des yakuza, même si la plupart du temps, ce sont plutôt des personnages anecdotiques. Ici, c'est à nouveau un aspect manga qui est utilisé, et on est plus dans de la caricature ou de la parodie. Puisqu'on utilise surtout les clichés liés à la figure du yakuza qu'on emploie alors sans vergogne. Tout aussi fun, sans pour autant être autant dans le n'importe quoi, ce cher Sonotion a lui aussi proposé quelques personnages de yakuza mémorables et hauts en couleur. Mais chez lui, ce n'est pas tant une obsession pour la figure du gangster que pour celle du marginal, celui qui marche en dehors des passages cloutés, en bordure de la société, qui fascine littéralement le cinéaste. Des personnages libres, chacun à leur façon, parsèment son cinéma si particulier et indescriptible, et il n'est guère étonnant que certains eux soit des yakuza. Ceci dit, aucun n'est similaire au précédent et ses œuvres sont difficilement réductibles à de simples yakuza eiga. Chez Sono, le yakuza est juste une représentation de protagonistes marginales comme une autre, voire même une figure d'autorité corrompue qui fascine de par l'impact qu'elle a sur les citoyens ordinaires. D'autres de ces personnages, qui ne sont pas réellement des yakuza en tant que tels, nous les rappellerons forcément de par leur comportement. Mais de nos jours, celui qui est considéré par beaucoup comme le digne héritier de Fukasaku, au point d'avoir même joué dans son tout dernier film, le véritable patron du Yakuza Ega moderne, c'est bien sûr M. Takeshi Bit Kitano, dont je suis obligé de parler dans cette vidéo et ça me fait extrêmement plaisir. Si je dis que Kitano est le digne héritier de Fukasaku, c'est surtout parce que de tous les cinéastes actuels, c'est probablement à lui qu'on pense quand on parle de yakuza au cinéma. Mais en soi, ces gangsters à lui sont très différents. Kitano a de la tendresse pour ses yakuza, même lorsqu'il les dépeint et met en scène de façon extrêmement réaliste et violente. Lui non plus ne souhaite pas les réduire à leurs conditions de gangsters, de hors-la-loi, et décide plutôt de nous livrer des œuvres poétiques, voire philosophiques, sur la société japonaise, le bien et le mal, les marginaux qui choisissent des voies différentes. Loin de l'excentricité et la folie de Sion et et Kitano dépeint ses yaksa avant tout comme des êtres humains, veut que l'on s'attache à eux, qu'on se prenne d'affection pour eux, et ce malgré leurs dérives et leurs actes répréhensibles. Comme Fukasaku, il remet leurs agissements dans un contexte historique, sociétal et culturel, et s'attaque autant au monde souterrain de la criminalité qu'à la corruption des forces de l'ordre ou du monde politique. Il décrit le Japon de son époque, celui dont il est témoin, à travers les actes de ces yaksa. Un Japon dur, sombre, mais également poétique et attachant. Du grand cinéma, tout simplement. Et depuis les années 90, on peut retrouver un paquet de comédiens voguant d'un cinéaste à l'autre qui ont interprété de nombreux yakuza. Citons donc de grands noms comme ceux de Yun Kuninura, Susumu Terajima, Denden, l'énormissime Kipei Chima, Kenichi Endo, Riki Takeuchi et bien sûr Kitano lui-même. Et j'aurais pu terminer mon passage vidéo ici, mais il serait idiot d'ignorer l'influence que la figure du yakuza a eue sur le cinéma occidental lui-même, au point de devenir une figure du cinéma international avec le temps. Et ça n'est pas étonnant car, comme on l'a vu, il y a tellement de codes extrêmement spécifiques liés aux gangsters japonais, fascinant autant pour les spectateurs que pour les scénaristes, qu'il aurait été étonnant de ne pas voir débarquer des Yakuza dans nos propres productions. Par contre, en termes de qualité ou de fidélité, bah, on repassera dans la plupart des cas. Les clichés, authentiques ou pas, liés à la figure du Yakuza ont la dent si dure qu'ils prennent souvent le pas sur toute véritable écriture et caractérisation de personnages dans les productions occidentales. Sont mis en avant, l'honneur sans faille des Yakuza, leurs amitiés indéfectibles, le respect qu'il vaut aux et au contrat leur façon de s'excuser lorsqu'ils commettent des fautes leur façon de s'exprimer ou de s'habiller d'ailleurs ils ont souvent des accents asiatiques très prononcés et ridicules etc ainsi il est plus drôle qu'autre chose de voir Viggo Mortensen faire muse avec de pseudo yakuza dans American Yakuza le premier volet d'une trilogie au titre qui veut déjà tout dire et les efforts réalisés pour présenter un clan yakuza crédible dans Wolverine le combat de l'immortel même s'il reste très cliché mais il est plutôt affligeant de constater à quoi il ressemble dans Wasabi ou pire dans Piège au soleil levant avec un certain Steven. Cigale. Souvent, dans ces films, les Yakza font juste office d'ennemis un petit peu exotiques, un groupe de criminels avec ses propres codes, comme le serait un cartel de la drogue mexicain, un escadron de la mort africain ou encore une famille de mafieux siciliens. On est dans de la pure caricature, parfois presque insultante. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de bons films occidentaux sur les Yakza. Pour n'en citer que quelques-uns, Black Rain de Ridley Scott voyait deux flics américains débarquer à Tokyo et commencer une véritable guerre contre un clan puissant et cruel. On a Crying Freeman de Christophe Gans, qui est un authentique film. De Yakuza coproduit par le Japon, la France, les États-Unis et le Canada, de Red 2 qui voit ses gangsters indonésiens opérer sur un territoire partagé avec de solides Yakuza, ou bien sûr Aniki de Kitano lui-même qui est une coproduction américano-japonaise et qui est une pure merveille. Et tout cela c'est sans compter sur les œuvres dans lesquelles apparaissent un unique Yakuza, représentant d'un pan entier du cinéma international finalement voilà pour mon humble rétrospective sur la figure du yakuza au cinéma qui à nouveau ne représente qu'un grain de sable comparé à l'immensité du sujet qui me dépasse complètement j'aurais pu vous parler du Pinku movie du woman in prison de zatoishi ou plus en détail d'adaptation de manga etc j'aurais pu explorer plus en profondeur la signification de la figure du yakuza comme par exemple en démontrant qu'il s'agit bien souvent d'une représentation de l'évolution du Japon et de ses mœurs et codes car oui, à travers l'évolution du Yakuza Eiga, on peut comprendre certaines évolutions traversées par le pays lui-même. Cela peut faire l'objet de futures vidéos, pourquoi pas. J'ai bien sûr plutôt mis mes propres références en avant, mais si vous commencez seulement à vous intéresser au sujet, vous devriez avoir une belle liste de films à regarder, désormais. Et je compte sur vous pour vous y intéresser. Les Yakuza n'ont jamais eu autant d'amour à donner que lorsque le cinéma s'est intéressé à eux. Et bien sûr, merci encore à Satsujin de m'avoir laissé l'immense honneur d'apparaître sur sa chaîne. Dans un ou deux ans, quand il aura 500 000 abonnés, je pourrais dire que j'étais là au tout début. Tout comme vous, d'ailleurs. On se retrouve très bientôt pour d'autres histoires sanglantes de cinéma, mais d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Merci beaucoup Az, et c'est un honneur pour moi de t'avoir dans cette vidéo. Je vous conseille urgemment de vous abonner à sa chaîne. L'homme est aussi passionnant que sympathique, profond et terriblement essentiel à qui s'intéresse au cinéma. Le monde du jeu vidéo n'a pas exploité la figure du yakuza comme le cinéma, le manga ou le tatouage ont pu le faire. Et malgré des allusions dans certains jeux rétro et des personnages pouvant rappeler de jeunes apprentis croisés au début du jeu Shenmue, sorti en 2000 sur la regrettée Dreamcast, on ne retrouve cet univers exploité tel quel que dans la fameuse série de chez Sega, Ryuga Gotoku, connue en France sous le nom de Yakuza. Commencé en 2005 par un premier opus sorti sur PS2, ce jeu vidéo extrêmement immersif est plus qu'une inspiration du monde du crime, mais une véritable plongée dans la pègre japonaise, reprenant les clans et leur hiérarchie, les codes en cours au sein des familles, les méthodes et la violence. On y suit les aventures de Kirio Kazuma, un jeune Yakuza qui, comme le veut la coutume, a endossé et payé de dix ans de prison un meurtre commis par son Oyabun. À sa sortie, il va renouer avec son ancien monde, se rapprocher de son clan et évoluer dans un quartier imaginaire tellement proche du Kabukitsu de Tokyo que j'ai parfois eu l'impression de reconnaître les ruelles et les bars. Les conflits internes, les rapports de hiérarchie et les guerres de clans et de succession y sont admirablement campés et en plus d'être très agréable à jouer, ce jeu a eu le mérite d'être fidèle et documenté. Tellement fidèle à la réalité d'ailleurs que certains Yakuza, trois pour être précis, ont été sollicités pour tester la suite de ce jeu et donner leur avis. Le trio a trouvé le jeu très réaliste, immersif, respectant le langage de leur caste, les vêtements mais aussi assez fidèle aux histoires qu'ils peuvent rencontrer au quotidien et plutôt crédible quant au combat de rue. Cependant, ils ont trouvé à redire sur certains aspects des combats, la première étant que personne ne mourait dans le jeu alors qu'une fusillade petit matin dans la vraie vie ne laisse que rarement tout le monde sur ses deux pattes. La permanence des bagarres les a également un peu étonnés, tant Kiryu, s'il était un yakuza de leur gang, passerait sa vie au poste et en prison à se battre comme ça à tout bout de champ. Dernier point, souvent relevé par des professionnels du combat rapproché, la durée des bagarres dans le jeu les trois gangsters ont rappelé la violence et l'intensité d'une lutte à point nus ou au couteau et son impossibilité physique a duré plus d'une minute. Mais à part ces petits bémols, la validation par des professionnels du crime a fait entrer Ryu Nogotoku, appelons-le Yakuza pour simplifier, dans le top des jeux d'action-aventure au Japon et petit à petit dans le monde entier. À noter que le sixième volume de la série aura même droit à la voix de Beat Takeshi pour l'un des personnages. Son succès fera qu'il connaîtra six suites et une préquelle, des spin-offs plus ou moins réussis, dont un se déroulant à l'ère Edo et l'autre à l'époque Bakumatsu. Et deux films de cinéma, dont un de Miki et Takashi, pas son meilleur certes, mais avec un parti pris de réalisation intéressant. Le dernier opus en date de la série. Yakuza 7 connaîtra en 2009 le même succès que ses prédécesseurs mais créera une fois de plus une polémique à cause du trop grand réalisme du jeu. Là où la fiction, la dérision, le détournement et même l'humour de certaines séries télé, de certains films ou de certains mangas étaient assez bien acceptés par la population et les autorités, cette série vidéoludique trop proche de la réalité, pour certains, a relancé les accusations dont faisaient déjà l'objet certains films avec Takakura Ken, produits par les gangs et à la gloire de leur chef. Le chef de la police métropolitaine de Tokyo a même déclaré avoir peur que ce jeu, très populaire auprès du jeune public, ne donne une image trop positive des Yakuza et ne crée de nouvelles vocations. Bien sûr, les yakuza et leur univers sont présents dans nombre d'autres secteurs de la culture populaire. On les retrouve parfois dans la musique, mais leur place y est nettement moindre que dans les autres arts. À part quelques groupes de rap y faisant plus référence par amour pour le clincon que par réel intérêt culturel, comme Seth Gecko ou PNL en France, Miami Yacine en Allemagne, Club Dogo en Italie ou Scraps au Royaume-Uni, un des seuls groupes japonais ayant utilisé l'univers et le vocabulaire yakuza, et le mythique groupe de heavy metal Loudness dans leur album de 1997 Ghetto Machine. Bien sûr, certains petits groupes extrêmes et confidentiels incluent ce monde dans leurs paroles ou certains clips artisanaux, mais rien qui ne vaille de dire qu'une forme de musique en particulier n'ait pu être influencée par le monde des yakuza. C'est maintenant que s'achève notre tour d'horizon de cet univers dont tout le monde a forcément une image sans vraiment pouvoir dire le connaître vraiment. Je ne prétends pas le connaître si bien non plus, tout au plus avoir essayé de vous transmettre un peu de connaissances accumulées au fil des années. J'espère également avoir réussi à démystifier ce qu'il était nécessaire, mais aussi à vous faire passer ce sentiment terriblement partagé que les Japonais peuvent ressentir vis-à-vis -vis de ces bandits qui les accompagnent depuis si longtemps. Si la violence gratuite et le désordre prennent peu à peu sa place au crime organisé, la population n'oublie pas que ses grands-parents ont pu manger grâce au yakuza et que ses parents ont pu vivre dans des rues sûres. Alors, après la traque et le rejet organisé des années 2000 et l'arrivée des voyous sans attache et sans code d'honneur, est-il tellement étonnant qu'une espèce de nostalgie des yakuza de la grande époque refasse surface dans l'imaginaire des plus jeunes Pas si sûr.